Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est la fête aujourd'hui à Bordeaux, bienvenue chez nous. Vous écoutez la fabuleuse histoire du catch américain, je suis Norbert Feuillant. Les classiques hein, pour commencer d'habitude, vous pouvez nous trouver sur Facebook, pardon, la fabuleuse histoire du catch américain, sur Twitter, @FHAPodcast, #FHA, ainsi que sur Mixcloud, catch-news avec un z.com et pariscatch.fr également. On accueille Rabbi Mentor à l'émission, comment ça va mon rabbin? Ça va bien aujourd'hui, et toi, comment que tu vas? Ça va très très bien, c'est une première aujourd'hui, on fait ça dans mon nouvel appartement, vous allez entendre beaucoup d'écho, peut-être un peu de réverb naturel, l'acoustique ne se prête pas trop, on le fera, je pense plus ici, on le fera chez Rabbi comme d'habitude avant, et Lauriane sera très heureuse qu'on organise encore des enregistrements chez vous. Oui, salut Lauriane. Salut Lauriane, on salue Lauriane. On a Céline qui est avec nous comme tous les 15 jours pratiquement. Salut Céline, comment vas-tu? Bonjour, bien. Bien, merci à tous en tout cas d'avoir fait l'émission sur le draft, encore un chouette succès. Ça a plutôt pas mal marché pour une émission spéciale. Oui, on fera d'autres hors-série à l'avenir. Et la grosse nouvelle de cette quinzaine dans cette émission qui sera consacrée à l'année 2000, c'est l'année que vous avez choisie en tout cas, plus que l'année de 92, à peu de choses près, hein. C'était très très proche que ce soit 92. Putain, et quand tu fais ça, mais à chaque fois je le dis, tu me fatigues. Les votes sont... Si j'avais voté, on serait passé sur 97. Mais moi, je voulais faire 92. Bon, on vous les fera de toute façon, parce qu'on n'est pas tout à fait honnête. On finira par faire 92 et 97 à l'avenir. On n'est pas honnête. Si, parce qu'on a laissé choisir alors qu'on les fera toutes en fait. On a juste laissé choisir la première. La première, oui. En tout cas, la grosse nouvelle, c'est qu'il y a du changement pour la fabuleuse histoire du catch américain à partir de notre émission de dans 15 jours. La fabuleuse histoire du catch américain passe sur C'est ça le catch. Donc, on n'a bientôt plus besoin de la chaîne YouTube, la fabuleuse histoire du catch américain. On vous donnera des détails avec les darons, avec le daron de C'est ça le catch qui est présent aujourd'hui, ce soir, tel un milliardaire qui rachète toute la communauté internet. C'est mon partenaire en crime, hein, pour traduire une expression en anglais, partner in crime, celui avec qui j'ai commencé, celui qui s'est inspiré des Cellpod et des Brainbusters pour lancer C'est ça le catch FM notamment. C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui, la boucle est bouclée, arbitre de catch, promoteur chez N-Catch, booker chez N-Catch, booker à la Fédération Française de Catch Professionnel, animateur de C'est ça le catch FM, animateur de la chaîne C'est ça le catch. Ça fait beaucoup de choses à dire. J'ai pas cité toutes les promotions pour lesquelles t'as bossé. Oh, parce que t'as bossé pour toutes les promotions. Hashtag 3CFM. Directement de C'est ça le catch, j'accueille mon ami Sturi. Comment ça va mon chéri? Écoute, je suis ravi mon cher Norbert d'être là ici à Bordeaux. Eh oui. Et à Bordeaux. Et c'est donc ton deuxième ou ton troisième podcast avec nous? Alors j'ai fait deux Cielpod. T'as fait deux Cielpod. J'ai fait leur série sur N-Catch, ouais. Et on a fait un Cielpod, tu te souviens, dans le Nord. Exactement. Avec Xavier Trédaniel, qu'on salue bien sûr, Xavier, en direct de son musée à Reims. On salue Xavier Trandel. Et donc c'est, alors pour essayer de... C'est le premier avec moi par contre. Et c'est le premier que je fais avec Rabbi du coup. Oui, c'est vrai. On va être suivre. Je sais pas, en tout cas, je me sens un petit, je me sens à l'extérieur hein, déjà, tu vois, même si je vous rachète, voilà, je sortis les billets, hein, l'argent des abonnés, voilà, là, c'est la fabuleuse histoire du catch américain, voilà, ça y est, c'est ça la fabuleuse histoire du catch américain. C'est ça la fabuleuse histoire du catch américain. Pour te suivre, c'est hashtag 3CFM, t'es sur Twitter également, @Sturikane, Sturikane, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Sturi. On a Ludivine avec nous également de C'est ça le catch FM, comment ça va? Oui, bonjour, bonsoir, ça va? Ça va. Est-ce que ça te fait plaisir d'assister à un enregistrement de la fabuleuse histoire en tout cas? Ouais, c'est cool, on voit toute la machinerie et tout, c'est coach en fait. Vous avez d'un beau studio. Alors, un studio, mais d'un professionnel, on est là sur de la qualité 2.0. Oui. Hein, vraiment, on vient de passer à l'USB 2.0 d'ailleurs récemment, en tout cas, c'est une révolution. C'est pour ça que je vous rachète aussi, parce que je suis submergé de technologie ici. Waouh! Alors, pour être clair, en tout cas, la fabuleuse histoire du catch américain, à partir de dans 15 jours, ça se déroulera sur la chaîne C'est ça le catch. On va prendre le pouvoir sur les internets français. On est là pour ça et pour vous régaler. C'est aussi votre émission. Merci à tous d'avoir envoyé des messages. On a Marc Blondin avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Marco? Ben, on a dit! Ben, ainsi que messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec le patron. Bonjour, patron. Bonjour, Marc Blondin. Je suis comment ravi de rencontrer Marc Blondin. Eh ben, écoutez, patron, c'est un plaisir avant tout pour moi. Oui. Vous allez voir à quel point je suis indispensable à cette émission qui n'est rien sans moi. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble à la Big Catch Company avec l'ami Laurent. Et vous m'aviez appelé la brioche à l'époque et je suis très honoré. De retravailler avec vous. Est-ce que je te réappelle la brioche? Non, on va laisser ça pour les privés, tu vois. Comment va Michel, Marc? Très mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Très très mal, c'est une télécommande. Une télécommande? Pour moi, c'est la meilleure invention depuis le parapluie, la télécommande. En tout cas, bravo à Michel, le tourneur. Bravo à lui, et surtout, zap sur la 9, parce que le bouton est un peu défectueux, alors ça lui fait des petits zigzags à l'intérieur.
et il souffre terriblement, c'est excellent. Dans quelques instants, tu nous liras les réactions des gens à propos de Chris Benoit, à propos de l'émission sur le draft. On va faire vite, on a plein de choses à dire sur l'année 2000. Une grande, grande année. Dans 15 jours, donc, pour la première émission de La Fabuleuse Histoire sur la chaîne C'est ça le catch, on parlera de l'Undertaker. C'est le sujet qu'on va traiter dans 15 jours, pour votre plus grand plaisir, j'imagine. En tout cas, toute sa carrière, l'influence de ce qu'il a fait chez WWE, notamment. On va pas trop le traiter quand même, parce qu'il est... Parce qu'il est tanké. Il est tanké. Hein. Marc, on t'écoute pour les réactions sur les réseaux sociaux. Hashtag FH pour parler de l'émission un petit peu partout. Alors tout de suite, une première réaction donc sur l'émission de Chris Benoit, qui était donc il y a combien, un mois, trois semaines? Il y a trois semaines. Voilà, hein. Donc tout de suite là sur Facebook. Facebook. Commentaire de Raoul Massamba qui nous dit qu'il aime, j'aime beaucoup le catch américain. Merci Raoul en tout cas. J'espère que ça Raoul. Philippe Marseignac qui nous dit bonjour. Mais c'est moi. Bonjour, ça va bien. Bonjour, ça va bien. Et Ludivine Hugo qui a répondu. Désolé pour la famille Chris Benoit, tout ça. Ah ouais, c'est une. C'est incroyable, on fait en live là comme ça. C'est une interview de Jacques Rougeau juste après le décès de Chris Benoit, de Nancy et de Daniel Benoit, qui donne une interview surréaliste au Canada. On la mettra bien sûr dans une playlist si vous le souhaitez, évidemment. On t'écoute, Marc. Alain Ferrand, très bonne émission encore une fois pour ce qui est de l'année. Ma grosse préférence, c'est l'année 1997. Un podcast dessus serait génial, tant pis. Bob Lazarait qui nous dit super émission, la vidéo est cool aussi. Third, mais James Blunt, faut pas déconner. Ce à quoi Norbert Feuillet a répondu, je fais ce que je veux. Oui. Voilà, et magnifique clip, hein. Ah, mais j'ai pas dit le contraire, James Blunt, tout ça, machin. Tonio Di Falco, top, le meilleur podcast sur le catch ever. C'est vrai. Et Olivier Pinson qui nous dit toujours très intéressant la FHCA, sinon pour l'année 92, dommage aussi. On passe sur Twitter, YouTube, YouTube, le Maxaf qui nous dit très instructif pour les jeunes fans de catch, excellente émission. The Malik qui nous dit le gamin en question pour les 500 squats, c'était Sean Divery. Et bien celui-là, sans doute pas fait de mal en tout cas. Et Mr. Height. Allez, c'est pas grave. Très bonne émission pour ceux qui n'ont pas connu Benoît de son vivant ou qui ne suivaient pas spécialement le catch à cette époque. Même moi, qui est un inconditionnel du catch, j'ai appris certaines choses sur Benoît, comme l'histoire avec sa future femme. Évidemment, ce qu'il a fait est inhumain, ignoble ou tout autre synonyme conviendront, mais avant cette histoire horrible, il ne faut pas oublier qu'il était excellent sur un ring, l'un des meilleurs de sa génération. Et pour finir, qu'est-ce que ça aurait pu donner un Benoît contre CM Punk? Sans doute l'un des meilleurs matchs des années 2000, mais ça, on ne le saura jamais. Allez, continue, c'est trop dur. Vas-y, continue. On passe sur les réactions sur le draft. Hein, des petites réactions, on fait vite, hein, parce qu'on a plein de choses à dire sur 2000. On a Jean-Christophe Paré. JCP. Super mission, c'était assez divertissant. Vous écouter, faire votre fantasy draft, c'est pas mal comme format. Vivement le podcast crossover avec Story. Ça promet d'envoyer du lourd. Il a mis un W à la fin de lourd, donc du lourd. J'espère qu'il aura un match retour sur Barakiz FM. Quinquin! Ah, on salue Quinquin, on applaudit Quinquin. Quinquin, le Japon. Si je parle autant du Japon, c'est aussi grâce à Quinquin. On parle beaucoup du Japon sur C'est ça le catch FM, et du coup, je le salue encore plus que vous. Parce que, ouais, je suis vraiment très content de continuer de parler de Japon, de parler de NJPW, c'est grâce à Quinquin. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu es désagréable, Quinquin, père fondateur du CellPod, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, Ludovic Lalanne, donc, qui nous dit « J'ai écouté l'émission, c'était assez marrant de vous entendre réfléchir à vos picks. Ça donnait presque l'impression que vous cherchiez un pick juste pour contrecarrer et faire chier l'autre. » Tout à fait. « Sinon, ça me rappelle lorsqu'on faisait des top catchers du bon moment, je serais curieux de connaître les vôtres. » Alors, ça dépend, on peut en faire un. Catcher du moment, top 5? Ouais, top 3. Top 3 Pidos. Sturi. Super. Du moment. Il n'y aura pas beaucoup de WWE par contre, je suis désolé. Ah, de te la jouer, allez, vas-y. Non, mais c'est bon. En 1, je mettrais Will Ospreay. Parce que voilà, c'est totalement fou de suivre un petit peu l'ascension de ce catcher. En 2, ça va être très british. Hein, je vais mettre Marty Scurll. Et en 3, je vais mettre Clément Petiot parce que c'est un peu fou. Quoi. Voilà, Tristan Archer. Voilà. Céline. Ah non, j'ai pas réfléchi là, attends. Bon, Ludivine. Je prends l'ordre, peu importe. Hein. Je mettrai Seth Rollins. Parce que voilà, toujours au top, toujours en forme. Bon, je vais rester très WWE du coup, contrairement à Sturi. Ah, quoique. Je sais pas.
Tu peux remettre Will Ospreay, tu l'as déjà mis. Bah, tu peux le mettre, c'est ton top, tu peux même mettre du spray, mets du spray. Je vais mettre Will Ospreay et en 3. Donc Seth Rollins, Will Ospreay et en 3. Contrairement à ceux qui me connaissent, je ne vais pas mettre Ricochet, parce que pas en ce moment. Je vais plutôt mettre Ricasley. Ok. Ah merde, du coup, le troisième, qu'est-ce qui peut venir à l'esprit? Bah, Shibata. Shibata, bordel. Je vais mettre en 3 Jay Little. Je vais mettre en 2 Seth Rollins. Je vais mettre en 1 Katsuyori Shibata. Oh, il y a 2 Shibata déjà. Alors bon, un, je mets le glacier. En deux, je vais mettre tout simplement nul autre que le chat, Hilaire. Et en trois, grand plaisir pour moi que de mettre Eddie Guerrero, qu'on ne voit plus d'ailleurs ces derniers temps. Mais je trouve que c'est un catcheur tout à fait resplendissant, surtout dans sa petite grenouillère. Papy Rabi, est-ce qu'il a un top 3 à nous donner? Alors Loutez, juste après on va mettre Gorge... Oh merde, Gorge George, George... Et un petit nouveau superstar Billy Graham que je trouve assez divertissant. Tu débutes. Oui, mais ça, enfin, c'est pas très ce que j'aime, mais il est flamboyant. Il est flamboyant. Oui, oui, alors en 1, Joe. Ouais. En 2, Lesnar. Ouais. Et en 3, Rollins. Ok, d'accord, très bien. On continue les mails, Marc. Merci en tout cas à quelqu'un pour sa question. Il est où? Alors, on dit souvent qu'on ne fait pas d'actu hein, dans la fabuleuse histoire, mais là, on a 3 CFM avec nous, on fait un petit crossover. Ah ouais, voilà. Allez, c'est un plaisir. Okay. C'était bien la draft. C'était nul. Votre carte est extra. C'est vrai, voilà. Mais c'est toujours quelqu'un. Mais pas, oui, hein, c'est toujours. Hein. Votre carte est extra, mais pas réaliste, c'est du lourd en Warcraft. C'est du style NXT Taco Bell. Taco Bell. Oui, j'achète pas du tout ces avants en Top Guy par contre. Eh ben tant pis pour toi, je t'emmerde. T'as quand même fait Jericho contre Orlando. Non, comment il s'appelle? Jason Jordan. Contre Orlando de Jordan, oui, absolument. C'est son cousin, c'est son cousin. Kevin Barr. Ah. Ouais. Et alors, à la sienne, hein. Oui, à Kevin Barr. Hein? Kevin Barr, Blombeer. Sympa ce hors-série, j'ai bien aimé vous écouter et galérer en choisissant vos picks. C'était exactement ce que j'ai vécu avec un pote avec qui je fais une partie commune sur EWR en partant de juin 2002. Pareil pour les fantasy booking, en formation avec le même pote, on se faisait des Rumble. L'émission Axturi des Divines s'annonce déjà intéressante. Merci. Merci écoute, Kevin. Parle pour toi. C'est très bien, merci, c'est sympa. Désagréable. Qu'est-ce qui est désagréable là? Oh. Déjà revoir les cachets là, de ces sales catchs. Les histoires du catch américain. Là. Le Zoliprane, ça ira très bien pour l'argent des abonnés. Envoyez, on a un PayPal aussi. Hein. Il y a un PayPal aussi. Un PayPal. Moi j'ai un PayPal. Il y a un PayPal, Zelbo. Alors sur l'année 2000, c'était il y a combien maintenant? C'était il y a 16 ans. Ouais, 16 ans, déjà 16 ans. Hein. Eh oui, c'est pas vite. Hein. Ouais. Alors sur Twitter, ça n'existait pas Twitter il y a 16 ans. Hein. Non, 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 hein. C'était bien. Alors sur Twitter, Twitter. King Alpha qui nous dit bonjour, si vous pouviez faire un top 10 des catcheurs des années 2000 et 2010, ce serait intéressant. Très bonne émission à vous. On le fera peut-être pendant l'émission. On le fera plus tard, on n'a pas le temps. Ouais. Un jour. Mais c'est gentil, merci Alpha. Stefinho Lewis, bijour pour vous, qui est le catcheur le plus marquant de l'année 2000? Ben on répondra pareil pendant l'émission. Pendant l'émission, il s'appelle Stefinho, je le marque. Stefinho, on te répondra. Enfin, Stefinho Lewis. Stefinho Lewis, meilleur catcheur de l'année 2000. Moi, j'avais. C'est le catcheur le plus marquant. Le plus marquant. Hein. Okay. Undertaker pour son retour, hein. on est tous d'accord. Facebook maintenant, encore une fois. Grand Corps Malade, Kenzu, Alios. Sans trop réfléchir, il me vient en premier le Folie Triple H Rumble. Un bon match de port, pas de technique, que du bourrin. Je me le regarde encore de temps en temps. Sinon, premier titre de Angle qui remporte à nous merci contre le Rock. Je l'attendais depuis son arrivée fin 99 en attendant de vous écouter. Bise à vous quatre. Bisous, Kenzo. Jovamine qui nous envoie une des seules époques avec un roster avec plus de 5 vrais main eventers. Oui. Plus une liste de talents qui a été bien pushée pour l'avenir. Angle, Benoît, Angle, deux fois Angle. Double. Eh oui. Et qu'il y avait un main event différent à chaque pay-per-view. C'était mieux écrit, plus cru, plus vrai. Et on se marrait beaucoup plus. Et avec beaucoup d'équipes différentes. Pas besoin de draft ou de rematch pour donner de l'intérêt. J'ai un peu trop avancé. Dantec Michel. Salut Dantec. Jack Jones.
Après une année 99 forte en ratings mais faible en lutte, cette année marque le retour de la belle lutte in ring. Un faible WrestleMania mais un beau SummerSlam. Pour moi, cette année se résume en un nom, Triple H. Il a parfaitement profité de l'absence de Stone Cold. Mathieu Cudon, très bonne année. La feud Triple H folie est énorme. Pareil pour Rock vs Triple H. Avec notamment l'Iron Man match et aussi à Backlash où Austin il fait son retour, je crois. Des gars comme Jericho, Angle, Guerrero, Brindle Ampler, ça fait plaisir. Kevin Barr, plusieurs bons souvenirs des débuts de Taz, Triple H, Cactus Jack, les premiers matchs TLC et Triangle Ladder Match, les affrontements entre Angle Benoit et Jericho, le retour du Taker en American Badass et de l'Iron Man match, Triple H, The Rock, le premier titre de WWF Champion pour Kurt Angle, le seul et unique Armageddon et Hell in a Cell, le mythique WrestleMania. Ok, ça c'était pour la déconne, hein, de vous écouter, une fois n'est pas coutume, le coucou à Sturie et Ludivine, bon enregistrement à vous. Bisous. Vianney Cagnonc, bonjour à vous, l'un des meilleurs que j'ai vu. Ah, un ch'ti. Un ch'ti. Il vient de chez nous. Il vient de Cagnonc, à côté d'Erle. Je crois qu'il est de Hasbrook. Hasbrook. Ok, là. Bonjour à vous, l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de cette année 2000 que je n'ai pas connu en tant que fan est le Triple H contre Cactus Jack au Rumble. Et beaucoup de succès. Hein. Ce match est une belle boucherie, comme on les aime. J'ai été marqué par le kick-out mémorable de folie après le premier prédigré de Triple H. Respect à la folie pour s'en être pris un deuxième sur des foutues punaises. Je retiens également le premier et le seul à Margaret Hell in a Cell de l'histoire. C'est une idée un peu folle, mais c'est aussi ça qui nous manque aujourd'hui à la WWE. Il nous manque Rikishi aujourd'hui, non, c'est sûr. Hashtag PG. En tout cas, je suis impatient d'écouter votre émission pour en apprendre encore plus sur cette année 2000. Et puis les principaux protagonistes de mes émissions 4 préférées qui sont FHCA et 3CFM se croisent dans un seul et même podcast. C'est génial! C'est incroyable, c'est la fusion. Tu vois qu'on est les seuls en même temps, je veux dire, c'est pas compliqué de fusionner. Si on fusionne Norbert Sturie, ça ferait Norrie. Ça fait Stuber. 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 On fait la fusion. Et Ludibi. Hein, Stuber et Ludibi. Ludibi. Ouais. Voilà. Grégory Perrault, Triple H Cactus Jack au Rumble, mon match préféré pour cette année 2000, même si d'autres commentaires le disent déjà. En revanche, WrestleMania m'a fait pleurer des larmes de sang. Salut à vous tous depuis la Belgique, Jean-Luc Lobognon. Pour moi, c'est les matchs Triple H contre The Rock. Il est très avaré, il aime bien Lobognon. Oui, bah arrête, tu vas me faire pleurer. Hein. J'aime bien cet humour, c'est pour ça que je vous achète aussi. Tu vas me faire pleurer. Pardon, patron. Tu vas me faire pleurer. Oui, je vais te faire pleurer, les oignons. Oui. Elle rigole. Alors pour moi, c'est les matchs Triple H contre The Rock, surtout celui de Judgment Day, leur match de 1 heure et le retour de l'Undertaker en American Badass. Sans oublier la naissance des premiers titres de ces matchs avec Edge, Christian, les Dudley Boys, les Hardy Boys et l'Iron Chic. Ludovic Lalanne, quand je pense à 2000, j'ai en tête Philip Hartman, les Radicaux, Iron Man match avec Throw the Falls, Jericho Triple H, Angle Shane, I'm an American Badass, TLC, Ricky Austin, I did it for The Rock. Bob Lazarette, Fully Loaded 2000, pay-per-view pas dégueu, avec une chute sympa entre Saturn et Eddie Guerrero, où China défend Saturn au début de match avec un coup de coude, oui. Le Taker Angle, pas mal pour un match du Taker à cette période, et un main event de Benoit, ce qui n'était pas courant pour l'époque pour la WWE, j'entends bien. Son premier main event. Et j'oubliais, match de derrière les Faggots, je t'en prie quand même. Elle est bien celle-là. Judgment Day 2000, Malenko contre Saturn contre Guerrero. Eh oui. Et moi j'ai fini. Hein. Mais merci Marco. Merci Marco. Hein. En tout cas, c'est moi. Les mails, on te retrouve dans 15 c'est jours. L'année 2000 à la WCW, c'était bien aussi. L'année 2000 à la WCW, mais on parle pas. Hein. C'est la New Blood. C'est la New Blood, le New Blood Rising, ah, ça arrive, hein, avec Seed. Et d'ailleurs, on a regardé récemment avec Rabi et Norbert, hein, le premier Nitro de 2000 que je commentais. D'ailleurs, je me rappelle encore comme si c'était hier. Hein. Et donc, pour le New Blood, les trois matchs qu'il y a dans le show, je crois que c'est Lex Luger contre DDP. C'est ça. Sid Vicious contre Sting. Sting et les vainqueurs des deux matchs s'affrontent dans une finale. C'est les trois seuls matchs qu'il y a. Pour affronter Jeff Jarrett pour le championnat. Oui, voilà. Donc, le New Blood. Le New Blood, voilà. New Blood, voilà, c'est voilà. Le très nouveau bon. Sang, la nouvelle génération de WCW. Vince Russo, hein, madame Bessieux. Il n'y a que Kidman qui a une chance contre Hogan et ça, le premier segment se passe plutôt pas mal en fait. Oui, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, c'est formidable. Hein. Alors, je sais plus ce qu'il dit, le traite de sale chauve. Non, non, c'est Hogan qui avait dit qu'il ne pouvait pas attirer des mouches. Et qu'est-ce que. Enfin, draw flies dans une arène. Hein, ouais. Kidman qui lui dit mais toi tu sais très bien de quoi tu parles d'attirer des mouches vu que t'es quand même une belle pile of shit. Voilà, c'était assez sympa. Voilà, ça, hein. Bon allez je me casse, hein, salut. Merci Marc, dans 15 jours on se retrouve avec Marc Blondin pour parler de l'Undertaker, sa carrière, son influence, ses jambes parfaites
Il est très beau. Tu restes quand même le reste de l'émission, Marc. Toujours, hein. Toujours, bien. Toujours dans le coin, en train de manger ma poutine. Très bien, impeccable. Année. Au plaisir. Année 2000, on va rentrer dans le vif du sujet, un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est une période charnière pour WWE, c'est la fin de l'ère attitude. Alors, nous, on n'est pas chez FHCA. Je crois que Ludivine est plus fan que nous. Sturi, je ne sais pas trop où il se positionne, on n'est pas très fan de l'ère attitude. Il est en face de nous. On n'est pas, très fan de l'ère attitude. On a du mal à comprendre pourquoi les gens crient au retour de l'ère attitude. Mais c'est une année à part dans cette ère-là, l'année 2000, parce que c'est le jour et la nuit, 1999 et l'année 2000. Et bah c'est simple, c'est Vince Russo qui n'est plus là. C'est Vince Russo qui n'est plus là. Et qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est Jack Jones qui dit qu'il y a une inversion entre les ratings de l'époque et la qualité de catch, et ça va pas ensemble du tout. Non. Rabi, ouais. Comment on explique, à part l'absence de Vince Russo, ce changement de dynamique à la WWE? Eh bien, tout simplement, alors je pense, sans vouloir faire mon analyste de bas étage, regarde, qu'est-ce qu'il y a le plus d'audience? Jerry Springer ou le National Geographic? Jerry Springer. Ben voilà. Okay. À un moment donné, la WWE pendant 2 ans, 98-99, c'était Jerry Springer, oui. À donf, du Crash TV, toutes les semaines en faire plus, du n'importe quoi. Et puis à un moment donné, ils sont allés juste trop loin, quoi. Mm. Ils ont fait, bon, on va peut-être calmer le truc après tout, on fait du catch quand même à la base. Triple H, je pense qu'il a vachement participé à ça en faisant des matchs de fou en 2000, quand même, c'était le meilleur catcheur du monde. En 2000, il était fou, hein. Il compte tout le monde. Voilà. Et. Enfin oui, mais c'est vraiment le catcheur WWE. Oui. Tu vois, c'est ça, c'est celui WWE qui explose. Franchise player. Et puis il faut voir aussi qu'en 2000, il manque Austin pendant une bonne partie de l'année. Alors ça, c'était le premier point, je l'ai mis tout en haut de ma liste, tu le vois aussi. C'est une année sans Steve Austin avant le mois d'octobre. Pardon, j'ai mis août, mais c'est octobre. Est-ce que c'est pas un reboot de la WWE? Non, parce que t'as Triple H et The Rock qui étaient déjà là l'année d'avant. Il y a beaucoup de monde qui émerge, hein, c'est ça que je veux dire. Oui. On va y venir par un. Il y a les Hardys, il y a Jay Christian, les Dudleys qui viennent de la ECW, de Jericho, Angle, The Rock. Ouais. Alors, qui bénéficie de l'absence de Steve Austin qui part pour convalescence, voilà, pour convalescer, si je peux me permettre. c'est Triple H et The Rock. À mort. Plus Hunter que The Rock. Plus Hunter dans la position, c'est lui le franchise player, c'est sur lui que va se baser l'année. Ah, est-ce qu'il draw Triple H? Oui. Oui, au fond, yes. Bah après, il faut voir qui il affronte aussi. Il affronte Folie pour la fin de sa carrière, je fais des guillemets. Passage de flambeau. Voilà. Deux excellents matchs. Il affronte. Mais Folie, il draw aussi, il affronte The Rock après. C'est là où on voit par contre Hunter quand il affrontait Steiner et Goldberg 3 ans après. Tu vois, c'est ça. C'est une catastrophe. C'est un bon draw selon qui il est en face, Hunter, je pense. Et en plus, en 2003, il pue du cul, donc c'est plus compliqué aussi. Mais en 2000, oui, il draw, oui. On va parler tout de suite de Triple H, Stefano, qui nous demandait le catcheur marquant, c'est Hunter pour moi en tout cas. Moi, c'est mon catcheur préféré. Alors, pour moi, c'est Hunter. C'est mon catcheur préféré, époque préférée. Hunter 2000-2001, c'est quand même extraordinaire. En effet, il montre qu'il est polyvalent, Triple H. Il commence vraiment à faire sa personnalité de The Game telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'émergence. Et sans Austin, en tout cas, il peut bénéficier des main events. Et il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à Triple H parce que des gens qui pensent qu'il a jamais tellement mérité son spot en main event et qu'il a bénéficié de la politique. Et en effet, là, il vient juste de se foutre avec Stephanie McMahon. Est-ce que Triple H mérite vraiment ce spot en main event en 2000? Oui. D'ailleurs, c'est le storytelling à l'état pur. À chaque fois qu'il y a un match, il y a une histoire qui est racontée. Quelle que soit la configuration, il feud avec Jericho, il feud avec Angle. Alors c'est la première feud en plus, vraiment heel contre heel marquante qu'on a envie de voir. Et ça met au crédit justement Triple H, quoi. Il était capable, même en étant le plus gros heel de la structure, d'avoir vraiment sa fanbase. Qui était derrière lui. Il est pas heel toute l'année, hein, tourne face assez rapidement parce qu'il devient over en fait Triple H. Et oui, il est trop over. Et il préfère laisser le spot de heel à Kurt Angle, ça c'est plus vers l'été. Ça on va y revenir dans quelques instants. Triple H il commence à spécialiser notamment grâce à Mick Foley dans les matchs stipulation, les matchs violents. Oui. Il a un street fight formidable au Rumble, il a un super Hell in a Cell, il a un last man standing contre Jericho plus tard dans l'année. Il se spécialise vraiment dans le catch violent. À l'époque on pouvait faire un peu plus de choses qu'aujourd'hui. Mais aussi il va se retrouver dans des matchs contre Benoit, notamment contre Kurt Angle, où il va montrer que ça peut être une machine à catcher. Ah,
Oui, les deux matchs, c'est No Mercy and Forgiven. Donc il affronte Angle et Benoît en fin d'année, là en octobre justement, quand il tourne face, mais pas trop, mais oui un peu, mais bon quand même. Et oui, non, c'est super, il fait pas une Dragon Suplex à un moment donné. C'est contre Chris Benoit. Une Indian Deathlock, enfin il fait... Non, Benoît fait une Dragon et lui voilà, fait une Indian Deathlock. Voilà, c'est ça. Et des trucs où t'as... D'accord, il sait lutter en fait, mais... Oui, non, c'est le total package en 2000. Oui, clairement. Au micro, il est super, dans le ring, il est super. Ces storylines, elles sont bien cool. Il y a les storylines avec Stephanie McMahon qui fricote un peu avec Kurt Angle et Kurt Angle qui est génial. Elle est géniale, cette storyline. Elle est hyper rafraîchissante, elle est marrante. Kurt Angle qui est génial aussi dans son rôle de benet. C'est un gros benet quand même. Non, elle est super, cette storyline. Même Stephanie avant avec Chris Jericho pour amener au Last Man Standing justement de Fully Loaded. Où elle l'embrasse, Jericho l'embrasse au King of the Ring. Ça amène une super storyline avec Triple H, un super Last Man Standing. C'est là qu'on voit Triple H qui se fait gauler avec Trish Stratus backstage par Stephanie McMahon. C'est après, c'est après. Avant SummerSlam, le coup de je me fais gauler avec Stratus. C'est drôle. Oui. Quoi d'autre sur Triple H qui va malheureusement mal finir l'année avec le retour d'Austin. Une horrible storyline en rectangle, en carré plutôt, pardon, avec The Rock, Rikishi, Austin et Triple H. Donc Austin revient déjà à Backlash, il faut un coup de Chase Hunter pour donner le titre à The Rock, le titre de la WWE. Après on va le voir aux alentours de No Mercy où il va affronter Rikishi dans un grudge match non sanctionné, je sais pas, horrible. Et je vous compare de cette storyline entre Rikishi, Hunter et Austin qui va très mal finir au Survivor Series. Non, ça va finir en vérité à No Way Out 2001. Mais il y a les séries 2000 hein, qui a un show absolument infâme qu'il ne faut pas regarder avec le formidable Hunter contre Austin, Ravi. Et ce finish. Une horreur. C'est infâme. Ouais. Bon, je sais pas trop quoi te dire en fait là-dessus. Il faut le voir. Quoi. C'est. Mais non, on ne le voit pas. Si, tellement c'est incroyable en fait. Il faut le voir. Quoi. C'est WrestleCrap. En gros, qu'est-ce qui se passe sur lui? Ben, tout simplement, c'est une grosse brawl. Voilà. Mais une grosse brawl, tu vois, chiante parce qu'elle dure déjà très longtemps. Puis oui, c'est Austin qui met une grosse branlée à Triple H, une bonne branlée des familles. Ça se termine dans le parking lot, comme ils aimaient bien faire, la WWE, viens, on va dans le parking et tout, et Triple H veut se barrer en bagnole, fait, oh, j'en ai marre, je veux prendre la bagnole, je me casse, et Stone Cold, il arrive avec une grue, une belle grue, comme ça, il l'embranche la voiture de Triple H, il enlève très très haut, oh, et puis je me souviens encore Raymond, qui était là d'ailleurs, Raymond, qui voit donc du coup le forklift se lever, et la voiture de Triple H qui s'effondre, qui tombe. Triple H qui est censé mourir, tu vois, mais qui revient le lendemain à Raw, tout va bien. Ouais. C'est un peu oh shit! Ah non, mais c'est de la merde. Oui, c'est du gros caca. Mais par contre, ce qui peut être intéressant de voir, c'est que quand même les gens veulent Hunter face, il aurait très bien pu tourner face. Mais c'est là où je pense qu'il y a la politique du truc, c'est qu'il sait très bien qu'avec le retour d'Austin, il va y avoir besoin d'un gros heel. Oui. Et il sait très bien que le pognon, il est avec Austin. Et ça revient, tu sais, au truc de est-ce que Hunter est un bon draw ou pas. Il sait très bien qu'avec le retour d'Austin et le truc, c'est du pognon tout fait, sauf qu'en fait, ils l'ont raté, quoi. Ils vont tenter Rikishi hein, aussi en 2001, ils vont tenter d'essayer de donner... Ils tentent, mais au final... alors, c'est moi, raté, hein. Est-ce que c'est un plan de secours, Triple H, en voyant que Rikishi, ça marche pas? Non, je pense pas, je pense que Rikishi, voilà, ils ont besoin aussi de capitaliser sur des mecs qui sont là depuis longtemps. Fatou, il est là depuis des lustres. Depuis 92, il a totalement transformé son personnage. Ok, c'est pas du tout cohérent le fait qu'il soit super cool, là, avec Scotty Tuoti et Grandmaster Sexy, et que d'un coup, il se retrouve le mastermind du plan qui a renversé Austin. Bah c'est le caca, c'est le gros caca. Mais surtout que le mastermind, en fait, c'est Triple H. Oui, donc c'est le mastermind, lui, l'exécutionneur, voilà. Voilà, lui, il travaille donc du coup pour Triple H. Alors c'est très con parce que plus tôt dans l'année, ils s'affrontent, ils se mettent sur la gueule et tout. Quoi. C'est ridicule, c'est la WWE, enfin, mauvais côté de la WWE. Austin se fait sortir des storylines parce qu'il s'est fait renverser au CS 99 par une bagnole, on sait pas qui c'est. Qui est le conducteur. Et toute l'année, ils vont quand même commencer à poser des jalons, qui c'est le conducteur, qui c'est. On apprend que c'est Rikishi. Ouais, on apprend qu'il est blond. Quelle déception, quoi. Moi, je pensais Billy Gunn au début. Bah, on parlait beaucoup de Billy Gunn et même Jeff Jarrett. Est-ce que vous savez pourquoi on parle de Billy Gunn? Parce qu'il est blond, le conducteur. Non, et c'est aussi parce qu'il a oublié son outfit au Series 99, pour de vrai. Et il cache avec un outfit qui est complètement différent, et donc il y avait de la spéculation autour du fait qu'il a peut-être pas son outfit pour une raison, machin, là. Il y avait des tas de trucs comme ça autour de... Voilà. Et Rikishi, donc, qui bosse pour Hunter, on apprend, voilà. C'est Hunter
le plan qui voulait renverser, donc tuer hein, Steve Austin. Ouais. Il a donné ses clés de bagnole à Rikishi. Et Rikishi, ça fonctionne pas. Il y a un match de la merde. Il y a un match caca. Non, parce que Rikishi passe l'année champion intercontinental ou autour du titre intercontinental. Il fout contre Benoît. Val Venis. Il prend le titre à Benoît aux alentours de King of the Ring un peu après. Ouais. Et Val Venis après. Managé par une personne dont on va parler dans deux secondes, va récupérer le titre intercontinental pour que Rikishi puisse partir après en main event, et non, en fait pas du tout, si bien qu'au Rumble 2001, donc un mois après la fin de l'année 2000, il sera en équipe avec Haku, donc voilà, dans le Rumble 2001. Et pourtant, et franchement, Rikishi lui file quand même Austin, et The Rock direct après, vu qu'il affronte aux séries, il bat The Rock aux séries, c'est ça hein. Oui, non. Si, par des queues, si, carrément. Bat The Rock. Pas sûr. Ah si. Il passe The Rock. En tout cas, il est le dernier debout, Rikishi. Il fait un bonsaï drop, et enfin il le défonce. Il est caca quoi, il défonce The Rock. Il y a une disqualification, je crois, une connerie du joueur, et puis voilà. Rikishi est debout. Je leur vois faire les bonsaï drop sur The Rock. Ils font tout pour le mettre over quand même. T'as Fantostin et The Rock à deux pay-per-view d'affilée. Bon, à un moment donné, si t'y arrives pas, c'est que c'est foutu quoi. Ouais, non mais ça va pas marcher. Voilà, c'est ça, c'est bon. Pas de peau, hein. Tant pis. Rikishi. Tant pis, Rikishi. Ludivine, t'as regardé un petit peu de 2000 là, avec Sturi qui voulait préparer un petit peu l'émission. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? À quoi tu penses là tout de suite là, dans ce que t'as vu? Ou le peu que t'as vu au moins? Ah ouais, dans ce qui m'a marqué, Triple H, incontournable, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, Triple H, The Rock, voilà. Dans les matchs que j'ai vus, justement, parce que, oui, pour info, j'ai pas vécu l'année 2000 en tant que fan en live, hein, donc voilà, j'ai fait une rétrocession. J'ai bien aimé le ladder match, enfin le TLC, pardon. Le TLC de SummerSlam, ouais, la division tag, quoi. C'est... Qui apparemment était le premier, si j'ai bien compris. Oui. Le premier TLC match officiellement. Et en fait, c'est un peu bizarre de me dire que tiens, un match avec des Hardy Boys, il n'y a pas de botch, ça va. Enfin, ça fonctionne de tonnerre. Enfin, j'aime beaucoup AJ Christian, donc voilà, ouais, j'ai ma petite préférence. Et ce match, j'ai trouvé super cool. Après, sur l'année en elle-même, pour avoir un peu potassé, c'est vrai que c'est Triple H qui revient beaucoup. Oui. The Rock était au top aussi en parallèle. Et voilà. Merci, en tout cas, une année d'émergence, en tout cas, c'est ça que je voulais parler quand je parle d'un reboot, parce que l'absence d'Austin va profiter à plein de gens. On va tenter de pousser plein de personnes, parce que tu vois, à la fin 99, t'as le Bossman qui est là, t'as toujours Steve Blackman qui traîne. Il y a eu des ratés quand même en 2000, et tu disais tout à l'heure, non, tu m'envoyais un message, je crois, un SMS il y a quelques jours, où tu me disais qu'il y avait du caca beaucoup en 2000. Il y a beaucoup de caca. Alors, il y a des ratés, parce que l'année 2000 commence avec un gros boom, c'est l'arrivée de Taz. Au Madison Square Garden contre Kurt Angle, et ça marche pas du tout le Taz quoi, ils ont rien du tout. Taz, c'est symptomatique je pense d'un problème de construction des newcomers. Ça a bien marché pour trois mecs seulement à la WWE qui sont arrivés, c'est-à-dire Angle, Benoit, Jericho, c'est-à-dire le gros work rate. Taz, il est petit déjà. Il arrive, il est hyper over, il met Angle sur le cul. Il est chez lui en même temps, il arrive minutes, à New York. 4 minutes je crois hein, le match au Rumble. C'est hyper court. Hein. Enfin, hyper court, il démolit Angle, c'est génial que les gens sont fous derrière Taz. Il a un gros match contre Triple H. Et à partir de là, il y a la merde aussi avec le CW, avec Tommy Yen, avec le titre là, qui ramène, etc. Bref, c'est Mike Awesome. Caca. Mike Awesome, pardon, j'ai Tommy Yen. Tommy Dreamer, pardon. Oh là là là. Et oui, il y a Mike Awesome qui bosse pour la WCW, oui, Taz qui bosse pour la WWF, et ils s'affrontent pour le titre CW. Et il y a Dreamer à un moment, dans un Raw, un SmackDown qui vient intervenir contre Taz. Oui, il y a du bordel. Ouais. Et ce que j'ai pas aimé du tout avec Taz, c'est qu'au début, il a ce côté. De Human Suplex Machine, tu vois, qui ramène vraiment de la WCW, et ça dure très peu en fait. Parce qu'à SummerSlam, il est déjà dans sa feud là, avec Jerry Lawler. Oui. C'est horrible, c'est caca, il descend totalement, et je crois déjà, même en fin d'année, il commence à commenter des pay-per-views. Il commente Rébellion, je crois. Je sais pas, alors oui, ça. Oui, voilà. Ça, si t'as la référence, tant mieux, merci. Je vous en prie. Bon, voilà. Il tourne un petit peu autour de tous les merdes là, avec le titre hardcore, et puis c'est tout, quoi, c'est fini. Ça a duré 2 mois, quoi, 3 mois. Mais c'est parce que les mecs de la WWF voulaient pas vendre pour lui. Ah, non. Vu que à la ECW, bon, c'était la top star, tout ce que tu veux, machin. Mais les mecs de WWE, ils font tous 1m90, 120 kg. Ils le voient arriver, le schtroumpf, ils font. Mais tu vas me faire des souplesses, moi? Vraiment?
En fait, c'est un gros problème de locker room et de politique. C'est... On va te faire payer le fait que ton neveu soit Chris Chetty, connard. Enfin, bon, voilà. Non, mais les gens veulent pas vendre, veulent pas se prendre des souplesses par un mec qui fait 1m70, quoi. C'est un gros problème, voilà, juste de... Non. Il fait 1m70, ce Taz, je crois. Oh, j'ai pas la... Il doit faire moins d'1m80, en tout cas, ça fait aucun doute. Ouais. Ah, il doit faire à peu près la taille de Mysterio, hein. Il est minuscule, Taz. Il est petit, très petit. Et il faut voir que, aussi, Hunter, parce que c'est une spécialité, quand même, d'Hunter, justement, de battre Taz, qui est champion OCW, à l'époque. Oui, bien sûr. Champion OCW contre champion WWF, et bon, faut le battre clean, forcément, parce que, ou il y a peut-être un low blow... Non, mais c'est un bon match, hein. C'est un match... Ouais, c'est un bon match, mais à un moment donné, c'est... C'est bien parce que c'est Benoît, que Benoît s'en sort en perdant justement début 2000, même si j'avance peut-être un petit peu. Ouais. Mais c'est encore une fois ce qu'on disait, je sais plus quand, mais sûrement sur l'émission sur Benoît, que c'était une spécialité de WWF de rendre les gens humbles quand ils arrivent chez WWF, de faire « Qu'est-ce que t'es fait ailleurs ?» Rien à branler, tu vas perdre pour ton premier soir contre le champion, t'étais champion ailleurs, on s'en branle. Et Hunter, je pense qu'il a un malin plaisir aussi à se mettre over en montrant que... Bon. C'est le besoin de Vince de montrer sa supériorité systématique sur voilà, tous ces mecs qui sont venus d'ailleurs. Mais ça se voit même, ça se traduit même avec Jericho et Benoit tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'ils ont des bons moments, des moments hot. C'est en 2000 le Jericho Triple H où Jericho prend le titre en fait, non ? Oui, si, c'est ça. C'est un grand moment de l'année 2000. C'est cool, c'est un grand moment d'année 2000. Ça a testé la réaction du public et oui, le public était prêt pour Jericho déjà, tu vois, à ce moment-là, c'était fou. Parce que le champion entrant en 2000, c'est le Big Show. Oui, ça dure 3 jours. Hein. Le Big Show qui va être omniprésent la première moitié de l'année, ça va être insoutenable. Dans le cadre de WrestleMania notamment. Même moi. Il était gros là, tu te souviens de ce SmackDown de 2000 qu'on a vu juste avant WrestleMania il y a quelques jours à Bill. Le Big Show, il était pas en forme du tout. Toute la feud avec Shane McMahon, enfin, je sais pas, Big Show, il était etc. toujours plus en forme qu'aujourd'hui. Oui, c'est donc, possible. Après, c'était il y a 16 ans. J'ai pas réussi à bien voir. Ouais. Après, c'était il y a 16 ans. On parlait du caca, on va venir tout de suite au sujet qui fâche chez WrestleMania. On va parler de WrestleMania 2000, WrestleMania qui est censé être le plus gros show de la WWE tous les ans. On en a parlé dans notre émission sur WrestleMania, n'hésitez pas. Il a été élu WrestleMania 2000 dans les 3 pires WrestleMania de l'histoire. C'est nul. On est sur 33 ans d'histoire pratiquement déjà, tu te rends compte, c'est un des 3 pires. Tu m'étonnes. Quel WrestleMania de merde dans une année de catch pur formidable. Story. Je sauve moi le ladder match avec la division tag. Allez, je sauve vite fait, même si la stipulation, vous en avez parlé, elle est immonde, là, du triple threat avec Angle, Benoit et Jericho, où tu gagnes le premier pin, t'es champion intercontinental, le deuxième, t'es champion européen. C'est vrai que ça fait aucun sens. Là, ils ont été très loin, mais après, tout le reste, oui, c'est du caca, ce main event qui dure mais des plombs. Alors, triple H partout dedans. L'affiche est quand même classe, hein, parce que tu te dis quand même, une affiche, un four-way avec Mankind, Big Show... Qui ça? Mankind, Mick Foley. Ouais, Mankind donc, d'accord. Mankind. Okay. Et bon, voilà. C'est Mangan donc. Okay. Mangan. C'est Mangan. Ou Manga. Voilà. Donc avec Mankind, le rocher là, Triple H. Le caillou. Le caillou, voilà. Ça doit être Jericho d'ailleurs à la place de Foley. Mais ça aurait été tellement mieux. Dans son bouquin, il y a les affiches promotionnelles, les premières qui ont été pressées, où c'est Jericho à la place de Foley. Ça aurait été immense, hein, Jericho. Mmh. Mais Liane Foley par contre. Hein, Ah d'accord, ok. D'accord, rien à voir. Et oui, c'est du caca ce match, ça dure tellement longtemps et les gens sont dégoûtés à la fin. C'est bien jusqu'à ce qu'il reste plus qu'Hunter et The Rock. Hein. C'est pas mal quand il y a Big Show et Foley. Oh non, sur même Anaheim, c'est ça. La foule est pérable en plus, de base. Anaheim, c'est la même foule que WrestleMania 12, une foule bien merdique aussi. Après, WrestleMania 12, c'est bien merdique aussi. C'est bien merdique aussi, ouais. C'est vrai que c'est pas terrible. Pendant le main event, ouais. Et même pendant le main event, les gens, ils sont... Bon, ils font passer pour des cons les radicaux qui sont trop cool et... Ah, c'est trop cool et China... qui perd son froc. Voilà. C'est trop cool, et China qui affronte Guerrero, Saturn et Malenko. Et Malenko, ouais. Non, c'est... Guerrero est pas là parce qu'il est. Si, Guerrero, il est là. Il il danse. Je me souviens de le voir danser là, dans China. Là. Et donc, un très mauvais WrestleMania. Il y a deux choses parce qu'il y a deux sujets à WrestleMania pour moi à sauver. T'as parlé d'un des deux trucs, mais je voulais en parler pour un sujet précis dans l'émission. Je voudrais qu'on commence. On va pas s'éterniser sur WrestleMania 2000. Il est très mauvais, les amis. Il faut aller le voir. Allez écouter notre émission. Notre truc cool de WrestleMania 2000, oui. C'est Michael Clark Duncan qui est au premier rang et qui est très très drôle. Qui ça ? Michael Clark Duncan, l'acteur de la ligne verte. Ah ! Oui, voilà. Il est très très drôle. Mais c'est quand même grave, quoi. Tu vois, c'est... Mais oui, il est très très drôle. Il faut écouter notre émission, en tout cas sur WrestleMania. Oui. Je crois que c'est notre sixième émission. Vous avez lu WrestleMania 2000 comme un des pires WrestleMania. Vous pourrez retrouver bientôt sur la chaîne CSL Catch. Sturi, en tant qu'invité, tu vas avoir l'honneur sur le prochain sujet. Sur le prochain sujet, il y a des débuts extrêmement importants en 2000 pour la suite, c'est Trish Stratus.
Oui. Trish Stratus qui commence en 2000, son premier gros match, parce qu'il est à WrestleMania, c'est avec Test et Albert, parce que Trish Stratus arrive en manageant pour manager TNA, c'est le nom de l'équipe, TNA. TNA, c'est alors, drôle. Voilà. C'est Test, alors c'est le E, c'est le, l'espéruette, hein. C'est pas le, oui. Ah, c'est pas un M comme la promotion. Mais parce qu'elle n'existait pas à ce moment-là. Et on soutient un peu de la gueule de la promotion TNA à l'époque, parce que TNA, ça veut dire Tits and Ass. Oui. Et c'est la référence évidente de l'équipe de Test. Trish Stratus, Test, Test et Albert, ouais. TNA, managé par, par Trish. Hein. Et donc Trish Stratus qui va tout de suite cartonner. Qui va tout de suite se faire un nom juste par son physique, finalement. Bah oui, parce que c'est pas Pamela Anderson. À l'époque, elle valait rien du tout, Trish Stratus. Dans le ring, c'était horrible. Et ils la font feuder intelligemment, pour moi, contre Lita, assez vite. Parce qu'on sait qu'à Fully Loaded, il y a les Hardys contre TNA. Et c'est un match mixte. Hein. Oui, c'est, voilà. Les Hardys et Lita contre Trish et TNA. Et contre Lita, qui est une super catcheuse, qui est jolie aussi. Et ça marche directement. C'est déjà le début d'une feud qui va durer des années, d'une feud tacite entre Lita et Trish. Et c'est important les débuts de Trish Stratus parce qu'elle va amener beaucoup, beaucoup de viewers de l'extérieur quand elle va poser dans des magazines, des choses comme ça. Ça va être la nouvelle vitrine féminine, peut-être à tort, de WWE pendant un moment. Ravi. J'ai dit que c'était sur lui, mais en fait, c'est Ravi. Oui, voilà. Oui, non, je pense que c'est plus China à l'époque. Alors, on va y revenir à China. En 2000, Trish Stratus. Oh. Ouais, elle est ouverte tout de suite et ça cartonne direct. Si, pour si, ça amène du monde, ouais, la Trish Stratus. Pas sûr. Et elle a ce côté un peu moins vulgaire que celle qui traîne. Pardon, alors là je suis pas d'accord. Alors, en 2000, c'est la reine des putes. En 2000, tu vois que c'est. Alors, non. Bah, pas la reine des putes, mais. Non, mais son gimmick, je parle pas. Elle est pas, elle se met pas dans des matchs où elle fait la conne comme Terry Runnels et The Cat. Elle est dans la story, elle doit faire le chien avec Vince McMahon. Mais ça, c'est bien, ça. C'est drôle, c'est affligeant, tu vois. C'est oui, non, mais. Bah, attends, justement, c'est une chienne quand même. Non, mais elle le fait un peu contre-coeur, tu vois. Elle est pas non plus à l'aise dans ce genre de truc-là. Elle le révélera d'ailleurs qu'elle est pas à l'aise. Mais je te parle, mais compare avec The Cat et Terry Runnels qui font des trucs immondes là où elles sont en talons et en string. Ça, c'est le caca, quoi. Attends, elles font du brand aussi à l'époque. De toute façon, les meufs, elles sont absolument pas reconnues. C'est du eye candy, c'est du sucre d'orge pour l'œil. Poppy, comme dirait. Bon, voilà, à l'époque, à la WWE, les meufs, c'est poufias quoi. Il y a que Luther à sauver, hein, franchement. Oui, et encore. Bah, attends, avant de faire son moonsault, elle enlève quand même son t-shirt pour être en soutien-gorge avec le string qui dépasse. À un moment donné, ça reste quand même. Elles sont bookées pour. Pourquoi est-ce qu'elles sont over? Parce qu'elles sont à moitié à poil. À un moment donné, ce qui est drôle, elles ont un certain charisme aussi, mais elles sont over parce qu'elles sont à moitié à poil. C'est Ivory triste, qui contre ça à la fin, là, avec le Red Sensor. Ouais, c'est très cool, Ivory. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Trish Stratus devient over. Hein. Peu importe les raisons, qu'elles soient bonnes, mauvaises, louables, pas louables. Trish Stratus qui va, pendant longtemps, être extrêmement populaire. Il va être obligé de la tourner face plus tard, d'ailleurs, dans l'histoire de la WWE. C'est à partir de 2000. Ça, c'est un point que je voulais citer. On va continuer dans les nanas avec China aussi. On a un peu évoqué, après son décès, la carrière de China. China qui va continuer plus ou moins à vaquer autour de Billy Gunn, du Road Dogg, toutes ces conneries-là. Je crois qu'en fin d'année, elle a un match en série avec Eddie Guerrero. Pardon, c'est vrai qu'au début d'année, il y a Latino Heat et Eddie Guerrero qui va se réinventer d'ailleurs avec China et proposer un gimmick tout à fait amusant finalement, Eddie Guerrero avec China. Ah bah oui, non, c'est hyper divertissant. C'est la meilleure storyline de sa vie à China. Bah, carrément, non, vraiment. Pas Guerrero. Eddie Guerrero, mais alors c'est le mieux qu'il ait jamais fait. Ça a été énorme. Non, mais oui, c'est. Ils étaient presque mignons en fait. Ah, ils étaient complètement cute. Hein. Ouais, ils étaient super mignons. Non, c'est super mignon quand il va à la Playboy Mansion pour la chercher et qu'il se fait virer par le service de sécurité. Eddie Guerrero, il est génial. Ouais, c'est cool. Il est super vénère, hyper jaloux. Il se fait tirer là comme ça. Je le vois avec ses Santiago là. Bon, bref, c'était hyper cool. Et les deux sont hyper mignons là quand ils arrivent dans le Lowrider là. Non, c'est chouette. Ouais, c'est mignon, cool. Mais après, mon China, elle sert quand même à rien. Elle sert pas à grand chose, en effet, mais en tout cas, elle va exploser après en 2001. Mais elle pose dans Playboy, ouais. Et je pense qu'elle ramène à tellement de thunes chez WWE. Tu te rends compte quand même qu'à l'époque, elle fait une interview là, dans un Raw, quand ça sort en septembre, là, Playboy à poil. Elle fait une interview pour hyper son truc dans Playboy. Elle fait hey, tout le monde est contente de me voir à poil, hein, non. Alors, 16 ans après, où on en est, quoi. C'est fou, quoi. Donc une année, comme je le disais, d'émergence, on va passer tout de suite à un sujet important. Donc le sextet Hardys, Edge et Christian, Dudley's... Le sextet de China, non, le sextet de... Non, 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 non.
Non, ça c'est défendu. Hein. La sextape. Le patron s'exprime là. Non, pas de sextape. Le sextape. Je tiens à ce mot parce qu'il est un petit peu soutenu et ça fait plaisir quand on écoute certaines autres émissions sur internet. Bon, bref. Le sextape Hardee's. C'est un mot que j'emploie au quotidien. Alors, les Hardee's, Edge Christian, Dudley's. Elle est extrêmement importante. C'est surtout la montée pour la suite de l'histoire du catch. Ça va être surtout l'année breakout de Jeff Hardy et de Edge, notamment si vous connaissez que les gros noms du catch, c'est les deux dans ce sextet majeur qui vont lancer un nouveau truc, c'est les TLC. Et quand tu revois, on en parle souvent avec Rabi, ce qui se passe dans l'univers aujourd'hui édulcoré de la WWE, à quel point c'était violent ce putain de match, quoi. Bordel. Hardee's, Edge Christian et les Dudley Boys, on écoute Rabi sur le sujet. Le finish de WrestleMania 2000, c'est Matt Hardy, mais la table elle explose. Elle explose. 14 000 morceaux, quoi. Il fait une chute en plus, ouais. Elle est hyper véloce, il fait son. Il flippe juste avant la table. Il flippe juste avant, c'est d'une violence ce. Et c'est chouette. Ils vont changer le catch hein, par équipe, les Hardee's, Jay Christian et les Dudley's. C'est une des rares époques, l'année 2000, où le catch par équipe va être pertinent. Là, pas pour les raisons qu'on aimerait avoir. C'est pas pareil que Edge et Mysterio contre Benoit Engel, par exemple, oui. En 2002. Mais là, on a quand même deux, trois équipes, je mettrais peut-être pas les Dudley's, qui ont déjà beaucoup d'expérience à l'époque, qui viennent de CW, qui sont habitués à ces choses-là. Mais les Hardee's, Edge et Christian, ça va faire leur carrière l'année 2000, quoi. C'est le début de la gloire pour les quatre. Ah ben c'est le début de pour Edge et Christian, c'est déjà ils partent sur un nouveau terrain, c'est-à-dire qu'ils sont restés cantonnés avec le côté hyper sombre d'art. C'est des gothiques, c'est des vampires vraiment. Voilà, c'est des vampires, mais des vampires blonds, tu vois, californiens. Ouais, non, tu vois, c'est les vampires B, C, B, G, tu vois, un peu dans l'esprit. Oui, j'étais loin, je vais chercher des références très très loin. Après voilà, il part quand il tourne huile et qu'il devient totalement ridicule avec les 5 secondes pause et tout. Avec le kazoo quoi. Avec le kazoo, avec Angle après. Ouais, Angle et Rhino plus tard. Avec Angle. Non, mais Angle déjà en 2000. Oui, je parle de Rhino en 2001. Après, avec Rhino en 2001, bien sûr. Ils sont hyper polyvalents et ils font vraiment le divertissement tout au long de cette année autour de la division tag, même quand ils n'ont pas le championnat par équipe. Ils sont toujours à joker avec le... Tabarnak, ils sont en joker, il faut une nièce toute la journée. À joker, tu vois, comme avec les chevaux. Oui, ou comme le jus d'orange. Le jus d'orange, joker. Ça va loin. C'est le fromage blanc, joker. Sinon, c'est joker. Oui, le joker, oui. Joker. C'est ça. Tu bois, tu manges du joker, Marc? Alors, dans ma poutine, toujours, hein. Du joker. Okay, toujours Joker. Edge Christian, mais c'est bien. C'est juste... Non, mais c'est bien. Ils jokent avec Mick Foley, voilà. Voilà, c'est ça. J'aime bien mon joke, je garde mon joke. Rabi, parle-nous des Hardee Boys, s'il te plaît. Non, j'allais continuer sur Edge Christian. Toi qui anime, après on inversera les rôles. Il parlera des Hardee, tu parleras de Edge Christian. Les Hardee, s'il te plaît. Alors, Edge Christian, moi, ce que je préfère, c'est quand ils font Los Conquistadores. Non. Oui, j'aime bien ça. C'est énorme. C'est génial. Mais voilà, non, mais je peux parler. Mais tu viendras après, putain. Mais non. C'est tout. Je te parle des Hardee Boys. Après, oui, c'est très bien. Mais je préfère Los Conquistadores. Allez, les Hardee, s'il te plaît. Oui, non, les Hardee, mais c'est les beaux gosses, quoi. C'est les émos de 2000 chez WWE où la meuf fait ça. Oui, Jeff. Et Matt, il est un peu gros comme Jeff. Voilà, c'est. Matt Hardy, le Ringo Starr des Hardee Boys. C'est un petit peu ça. Bon, et comme dans les Beatles, c'est celui qui s'en sort le mieux aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est ça. Matt Hardy, gros respect, on l'a dit la semaine dernière déjà, Broken Matt Hardy. Mais non, oui, les Hardee Boys, c'est super en 2000. C'est frais, ils ont la pêche. Ils l'ont plus par contre aujourd'hui. Ils ont pris cher, mais. Ouais, c'est agréable, ils botchent pas tant que ça, comme t'as dit tout à l'heure, ils font encore des choses correctes dans le ring, surtout avec des échelles, hein, parce qu'au final, c'est vrai que les matchs en soi sont pas non plus hyper excitants, il faut vraiment échelle, table, chaise, les TLC sont cool. Les matchs tag lambda sont honnêtes. Bon, ouais, c'est honnête. Mais pour les défendre, justement, c'est en 2001, moi, je trouve, pendant l'invasion. Ils ont des matchs tag qui sont très très cool contre des trucs qu'on s'en fout, tu vois, des canyons et des builds de mode, des trucs comme ça. Et franchement, oui, ils sont toujours bien, même dans du tag simple. Bah, mais c'est plus en prenant de l'expérience, justement. Mais c'est ça, ils ont un an de plus et je pense qu'ils sont servis aussi du star power qu'ils ont acquis en 2000. Dans les trois équipes, c'est les Hardee Boys pour moi qui sont les plus susceptibles de faire du catch solide sans artifice. Les Dudley sont bons quand même pour ça.
Nate Dudley, je réfléchis. Après, moi, il était populaire par étapes. Hein. Pour moi, c'est Christian le meilleur worker de son D6. Ah, D6 ou c'est. Alors, aucun doute. Hein. Aucun doute que Christian in-ring, c'est le meilleur D6. Avec une option sur Matt Hardy, quand même, à l'époque, qui était quand même, assez, et moi, tu sais, qui était quand même très solide. Je mettrais même. Moi, je pars tout court. Hein, Ever, je mettrais peut-être même Jeff Hardy devant Edge. Alors, dans le ring, parce que Jeff Hardy, en 2008, chez WWE, 2008-2009. Il fait un travail qui est complètement sous-estimé, je trouve. Oh, il fait vrai. Des bons matchs avec tout le monde. Il est sûr. Non, pas incroyable. Il manque de très bon. Il est très bon. Il est très bon vis-à-vis de ce qu'il a été, quoi. Oui. Surtout. Ah, oui, non, non. Entre 2002-2003 et 2008-2009, c'est mais des galaxies différentes, quoi. Il se soigne incroyable. Un peu plus quand il bosse des mecs comme MVP, comme Cal Anderson, tout ça, quoi. Donc les Hardys en 2000 avec Edge et Christian qui déjà sortent d'un match qui était culte à l'époque, qui a très mal vieilli à No Mercy 99. C'était un ladder match, ça a très mal vieilli. Hein. J'ai du mal à regarder aujourd'hui. Oh, moi je trouve ça passe encore. Et est-ce ça que les Dudleys vont être la validation violence et la caution TLC des Oui, parce que t'as déjà le premier gros affrontement au Royal Rumble entre les Hardys et les Dudleys. Un match de table ? Ouais, match de table, match de table. Mais déjà t'as des échelles, t'as des chaises, t'as tout, tu vois. C'est déjà. C'est déjà très costaud et ce match-là, oui, passe très très bien. Il amène donc du coup le gros ladder match de WrestleMania 2000 où tu rajoutes Edge et Christian qui s'imbrique parfaitement dans la feud entre les Hardys et les Dudleys. Et puis voilà, puis couronnement, c'est le TLC, quoi. Le TLC de SummerSlam. Voilà, quoi. Il n'est pas trop long en plus, ça passe vraiment. Hein, on se l'est regardé encore il n'y a pas longtemps avec le Divine et il passe vraiment très très bien. Je comprends qu'ils ont refait ça après WrestleMania 2000 suivant, 2001, le 17. Parce que oui, c'est excitant, c'est nouveau, c'est frais. Il y a tous les nouveaux spots qu'on voit avec les échelles, avec la bascule là où Matt Hardy prend le bascule à SummerSlam. Mais c'est ce que prend Joey Mercury en 2004. Blessure affreuse. Je revois les photos là. Rotten.com là, c'est horrible. C'est vrai que c'est ogrish. C'est ogrish.com là quand même. Story. Après, les Dudleys aussi. Pardon, vas-y, je t'en prie. Oui, ils sont. Il y a Bubba Ray Dudley qui est en plein. Je mets les meufs à travers les tables. Mais c'est les vieilles. Les vieilles aussi. Mayang à travers les tables. C'est une meuf, Mayang. Elle est peut-être vieille, mais c'est une meuf quand même. Oui, voilà. Un peu de respect pour les vieux, bordel. Ça, ça les a fait tourner face, ça, les Dudleys. Oui, de passer Mayang à travers une table et j'arrive. Yeah! Yes! Mais c'est encore les restes de leur attitude, oui, ça, oui, finalement. Oui. En plus, en début d'année, c'est en janvier. Et surtout, on l'a vu récemment, mais Mayang, elle se fait défoncer, quoi. Oui. C'est du haut de l'entrée. De l'entrée, et bam! À l'époque, il y avait quand même 2 ou 3 mètres de chute, paf! La vieille, quoi. Mais ils sont très chers. Hein. Putain, Mayang, elle s'est fait déchirer. Tu connais l'histoire de paf la vieille, alors c'est Mayang. Putain, elle prend cher. Même Moula, elle a pas pris ça. Hein. Il y a que Mayang qui a pris. Non, Moula était. Moula, elle s'est pas prise dans le ring. Elle s'est prise dans le ring, Elle s'est prise dans le ring. Il y a quoi? Il y a l'infirmière au début, il y a Barbara Bush. Barbara Bush, putain, il faut s'en souvenir de ça. Barbara Bush, il y a Tori. Ivory, elle a pris. Oui, elle a pris cher aussi. Shayna, est-ce qu'elle a pris dans l'année 2000? Non, China, attends. Je fais passer les mecs à travers les tables. Ah, robuste. Robuste. Voilà, il ne peut pas la passer. Avant de continuer sur ce qui est super bien dans l'année 2000, je vous rappelle qu'on peut nous suivre sur Twitter, @FHAPodcast, #FHA, sur Facebook également, pardon, La Fabuleuse Histoire du Catch Américain. Et dans 15 jours, pour l'émission sur l'Undertaker, vous nous retrouvez sur la chaîne C'est ça le catch, la chaîne de Sturi. Si tu restes sur la division tech, j'aimerais parler moi aussi de toutes les autres équipes. Alors, justement, qui sont à côté. Justement, parce que ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, on dit souvent que l'année 2000 c'est une super année, qu'il y a beaucoup de work rate, et on va y venir, hein, au Jericho, au Benoit, au Engel, même The Rock dans une certaine mesure était excellent à l'époque. On va y venir. Mais en undercard, il y a peut-être beaucoup de monde à la WWE à l'époque. Ils n'avaient pas encore racheté la WCW. Ils commençaient un petit peu, ils ont pris les radicaux en début d'année. On va pas couvrir trop les radicaux. Si vous voulez qu'on couvre les radicaux, écoutez l'émission sur Chris Benoit qu'on a enregistré il y a 3 semaines, où on en parle beaucoup, mais c'est un gros boom en début d'année. Ça, vous pourriez faire une émission sur les radicaux. Ça, on en a parlé. On a déjà fait les réussites de WCW et Chris Benoit. C'est peut-être un peu redondant. Vous parlez de Malenko, moi ça me va. Et oui, bien sûr. Céline est également une grande narratrice de Dean Malenko. High five. High five Céline. On va venir à tout ça, mais en undercard quand même. Tu regardes, toi, on a par hasard maté le même show. Oui, on a regardé Fully Loaded. On a regardé Fully Loaded. Et t'as des trucs, tu vois, les Hardys contre les Acolytes avec Trish Stratus et Lita. Oui. On a pas les Acolytes. TNA. C'est pas mal, mais ça va se reposer sur Lita et Trish Stratus le match. C'est elle qui génère les réactions des gens. Oui, et quand Matt et Jeff enlèvent leur t-shirt. Tu vois les Acolytes contre Edge et Christian, c'est pas terrible. Rikishi Valvenis en cage, c'est pas terrible.
Et pourtant, c'est bien pour le dive de Rikishi. Le dive de Rikishi, il est fou. Ouais, il est bien. T'as Rock Benoit, t'as Hunter contre Jericho, mais en mid-card, la WWE en 2000, c'est pas forcément toujours fandard. C'est pour ça que WrestleMania est peut-être en deçà, c'est que t'as les 4 main eventers tout en haut, t'as 3 mecs pris du gros Warcraft dans un triple threat ensemble, et t'as 6 mecs aussi dans un ladder match. Ce qui reste quoi finalement? Parce que le mid-card chez WWE, quand tu vois les gens qui sont over comme tout cool, qui vont associer à des mecs comme TNA aussi, des choses comme ça, les acolytes qui étaient pas encore à l'époque. Kai and Tai, ces conneries-là, Val Venis, c'est merde. Crasholi, excuse-moi quoi. Mais justement, pour les poser, pour les équilibrer, il y a deux trucs en plus qu'il y a dans les années 2000 et que t'as plus aujourd'hui, c'est deux championnats. Hmm. T'as le championnat européen qui tourne énormément de mains. T'as Maléco, Saturne, Eddie, c'est pas extraordinaire pour le championnat européen. Non, c'est pas terrible. Ils auraient pu se casser le cul. Eddie Guerrero, t'as l'impression qu'il est en vacances. Oui, quoi. Non, mais il est en vacances la première année à la WWE. C'est pas grand chose, quoi. C'est en 2001, 2002. Hmm. Après, il fut surtout contre Edge. Bah, en 2001, il est plus là, il se virait. Ah oui, il est plus là en 2001, c'est vrai. Il va faire le triple sweat à la IWA Mix House. Contre Punk, t'as juste à A ton avis là-dessus, Ravi? Sur le mid-card, finalement, mid-card, pas forcément toujours bandant quoi, de la WWE. Il n'a jamais été spécialement bandant, quelle que soit l'époque. Bah, 2001, peut-être plus, avec les Tajiri, les X-Pac, Kidman, Jeff Hardy, Rob Van Damme. Je sais pas, j'ai regardé pas mal de... Enfin, c'était il y a longtemps, mais j'ai regardé à peu près toute l'année 2000 à une époque avec les cassettes de Quinquin, justement, qui me les filaient, parce que j'adore cette année. Et on salue Quinquin. Ouais, et je trouve que, en fait, ça passe plutôt bien. C'est des matchs qui servent plutôt à rien dans l'absolu. C'est des restes des ratitudes. Je sais pas si c'est des restes, des ratitudes. Parce qu'on est d'accord que les ratitudes se terminent à WrestleMania 17. Oui. Mais je trouve que c'est pas... Enfin, il y a des trucs qui servent à rien, qui sont un peu pénibles, mais comme dans tout pay-per-view, tu verras, quoi. Il y a à boire et à manger. Après, moi, je trouve que c'est pas hyper désagréable, quoi. Ça sert strictement à rien, mais ça passe mieux qu'un Ryback Kalisto, par exemple, tu vois, aujourd'hui. je sais pas si c'est la nostalgie qui parle ou pas, toi, mais je préfère voir un Gauntlet, et pourtant, Dieu sait que j'aime pas les Gauntlet. Hein. Mais moi, j'aime bien ça. Avec 8 équipes, voilà, je sais plus dans quel pay-per-view c'est qu'il y a un Gauntlet comme ça, là. Avec tous les tags, là. En 2000, ouais. Bon, bref. C'est pas Armageddon ? Non. Bon, bref, je sais plus ensemble. Mais non, ça doit être vers Unforgiven, un truc comme ça. Il y a Raven, Taz, les Dudleys. Il y a peut-être même Lowdown ou je sais pas quoi. Sachez qu'il y a un gros Fatal 4-Way Tag à King of the Ring, qui est immonde. C'est un des pires pay-per-views, c'est le King of the Ring. Ah, horrible, King of the Ring 2000. Mais tous les gros pay-per-views, à part SummerSlam, de toute façon, de 2000, sont infect. Oh non, Le Rumble est pas mal. Non, les gros. Le Rumble est cool, mais WrestleMania est horrible. Oui. King of the Ring est horrible. SummerSlam est sympa. Demi-teinte, il y a Jericho Benoit et le Main Event. Jericho Benoit, t'as le TLC, t'as le Main Event. Il est sympa quoi. Et les séries qui sont atroces. Les séries sont atroces. Voilà. Mais après, dans la mid-card, je la trouve pas pire, pas mieux en fait. Parce que finalement, ce qui nous fait. C'est de la mid-card quoi. Ce qui nous fait bander en 2000 quand on dit que c'est une in-ring incroyable, finalement, c'est Hunter, Angle, Jericho Benoit, Hardy et Jay Christian. Mais c'est les Main Eventers. Enfin, pour moi, c'est les Main Eventers qui sont au top du top, du top du top. Et qui sont complètement le contraire de la WCW où c'était l'undercard et la midcard qui étaient énormes. Et les Main Eventers qui nous cassaient les couilles. Ouais. C'est exactement ça. Sturi, tu nous disais donc qu'on n'a pas développé encore tellement le sujet quand tu disais qu'il y avait beaucoup de caca à la WWE. Et je voulais te laisser nous dire... ce qui pour toi représente le caca de la WWE en 2000. Alors, le caca de 2000, c'est essentiellement le retour de l'Undertaker. Là, c'est une catastrophe. C'est ça que tu voulais dire quand tu m'envoies un message en me disant il y a beaucoup de caca en 2000. Bah, il y a pour moi le retour de l'Undertaker qui est caca parce qu'il est feignant. Tu vois, il ne veut rien foutre. Tu vois, il y a juste encore, il doit se bouger un peu le cul au Survivor Series quand il affronte Angle. Et il a ce pantalon, la jeune, là, qui est atroce. Il y a le Twin c'est Magic. Croco. C'est croco. Oui, en croco. Là, il y a des crocos jeunes. Il y a le chouette spot avec Eric Angle, hein, le frère. Oui, voilà. C'est le premier Twin Magic, en fait, qui ont inspiré les Bella. Il y avait les frères Blue qui le faisaient aussi, quand même, en 95, déjà. Excusez-moi. Les frères Blue. J'ai regardé le WrestleMania 11 récemment, d'ailleurs. Ah, très bien. C'était nul. C'était nul. Laurence Taylor. C'était nul. Donc, le retour de l'Undertaker, caca. Gros caca autour de Dean Malenko. J'adore Dean Malenko, tu le sais déjà. Et il y a un gros caca autour de Dean Malenko. Ils savent pas quoi en foutre. Ils lui filent le titre
Light Heavyweight, mais bon, c'est pas intéressant, c'est vraiment très bas. Et il y a le titre hardcore, alors là... Alors avec Jack et Jerry Briscoe, tout le monde parlait en off il y a quelques minutes. En fait, sur le titre hardcore, ce qui est drôle, c'est les petits segments filmés avec Crasholi qui se bat dans les aires de jeu. Toi t'aimes ça, moi ça je peux pas. Ça me fait rigoler, parce que tu sais que j'aime la comédie, moi j'adore les trucs comédie. Ça se fait énormément en ce moment là, avec le Iron Man, le title de la DDT au Japon, hein, avec Joey Ryan qui a ce titre. Et là, il l'a perdu contre un mec dans une convention qui t'habille en Spider-Man. C'est très drôle. Il l'a perdu aussi contre Mysterio. Il a été le reprendre dans sa chambre d'hôtel. Ça, c'est drôle. Tu vois, le truc, la règle 24-7, elle m'amuse. Tu vois comment on rit. Tu vois comment on rit autour de la table. Voilà, et vous êtes tous morts de rire. C'est super. Il y a que moi qui aime bien ça. Ok, mais les autres, non. 24-7, t'aimes bien ton avis ? À l'aéroport et dans l'air de jeu, oui. Ah, c'est drôle. Mais dans... oui, c'est divertissant. Crasholi, il a servi qu'à ça. Et puis ça a servi aussi à filer des programmes à des mecs qui avaient rien à foutre là, quoi. Les Main Street Posse. Tu vois, on en a les Headbangers aussi. Les Headbangers, ils sont encore là, Moshé Trash. Ouais. Trasher, très over Crasholi malgré tout, toujours au King of the Ring. Oui. Quand il reprend le titre à Patterson ou à Briscoe, je sais plus lequel est champion dans le Evening Gown Match, Patterson et Briscoe, l'enfer sur terre. Et donc ça, quand on en parlait en off, Rabi, tu disais ça, c'est des restes de l'Attitude Era par contre. Oui, c'est de la merde. C'est le caca, c'est le pire des caca. Voilà, hein. Par contre, quand tu dis qu'Undertaker est feignant, faux. Oh. Il chic comme jamais, quoi. Et pour chiquer comme jamais, comme ça, il faut pas être une vieille feignasse. Il chique tout le temps. Il crache tout le temps. Il est tout le temps en train de cracher, chiquer, il chique, il crache. C'est nul quand même. Il crache au lit. Surtout. Il crache au lit. Et ça dérange sa femme. Ça dérange sa femme, c'est ce que j'allais dire après. L'Undertaker. Moi je pense que Sarah était contente qu'il crache au lit quand même. Oui, parce que oui. En même temps, quand on la voit, on a envie de faire rien d'autre. Et on va. Pourquoi DDP il stalke Sarah? Quand tu vois sa femme à l'époque, quand tu vois Kimberly, Sarah, quoi. C'est bien, il faut être con, quoi. Oui, voilà, merci. On dévie. On viendra à l'Undertaker et dans cette période sombre de son histoire, bien sûr, dans l'émission qu'on présentera dans 15 jours, la première sur la chaîne de C'est ça le catch, la fabuleuse histoire du catch américain sur l'Undertaker. N'oubliez pas de nous envoyer des mails pour nous aider à préparer l'émission, vos ressentis, vos moments préférés de l'Undertaker, les moments que vous avez moins aimés, vos matchs phares, vos rivalités cultes. N'hésitez pas un instant, c'est une personnalité extrêmement marquante, une des plus marquantes de l'histoire du catch américain. C'est normal qu'on en parle dans une émission dédiée. Rabi, j'ai un truc pour toi. Un sujet qui te tient à cœur dans l'année 2000, c'est les débuts de Raven, s'il te plaît. On parlait de caca, on va parler des débuts de Raven, qui est une de tes grandes idoles, et moi aussi quand j'étais ado. Mais Raven, c'est un gros raté quand même. Il y avait quand même vachement mieux à faire avec Raven que ce qu'ils ont fait, quoi. Alors, à un moment donné, ses deux premières interventions, c'est mettre des DDT à Jerry Lawler, quoi. Et pourquoi pas, il est en feud avec Taz, ils sont pas de Taz de la semaine. On s'en branle de ça, putain, Raven, il doit aller casser le champion intercontinental. Il a marché partout. Ah non, alors qu'on soit d'accord. Après, il s'est cassé le genou, c'était plus compliqué. Il s'est cassé le genou quand il a marché partout. Non, il a marché partout. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Et, Raven, qu'est-ce qu'il a manqué? Pourquoi pas Raven? Mais parce que WWF on voulait pas. A priori, Vince McMahon l'aimait pas à l'époque parce qu'il était le copain de débauche de Shane McMahon. De Shane McMahon, quand Shane McMahon avait 20 ans ou un truc comme ça, avec Raven dans les bars, bra bra bra. Voilà. Dans les bordels, bra bra. Bra bra bra, pareil. Et Vince McMahon est nii. Et puis aussi, c'est Raven qui est parti de son propre chef alors que Vince McMahon lui avait proposé une position de producteur, tout ça, dans. Backstage, et Raven, il fait non, je veux catcher moi en fait. Vince McMahon avait l'air de venir en 93 à Johnny Polo en tout cas. Mais oui, complètement, oui. En fait, Raven, il fait ben non, moi je veux catcher, shit dedans quoi. Et donc, McMahon, il a pas apprécié, mais ça l'a pas empêché de le reprendre pour en faire rien du tout en fait. C'est dégoûtant. Tu sais, en 2001, il a son run avec le titre hardcore un petit peu, tu vois. Oui, mais il est 27 fois champion hardcore, mais ça sert à rien. C'est le record. Voilà. Oui, oui, enfin 27, 28, 29, je sais pas au final. 27, je crois que t'as vu juste. Mais il sert à rien, Raven, à WWF, alors qu'il aurait pu avoir au moins un run avec le championnat européen. Au moins ça. Rigoler, oui, avec Calcio, voilà. À la WCW, il a toujours été over. À la ECW, il a été over. À la TNA, quand il arrive après, il est super over. C'est carrément, quoi. Il n'y a qu'à la WWF, ils en ont rien fait. Ils ont raté le coche. C'est pas lui qui aurait changé le business ni rien, mais ils ont raté un truc, je pense, avec Raven. Il est très très classe avec ses dreads et sa jupe là au moment de l'invasion. Moi j'aime bien les dreads rouges et la jupe aussi. Mais moi je le préfère en short.
Oui, bah ça, après, c'est les enfin, c'est bon, oui, la nostalgie hein, du passé. On va passer aux choses cool hein, de l'année 2000, parce qu'il y en a plein. C'est pas encore l'année de Chris Jericho 2000. C'est l'année où ils testent le truc, justement, avec la réaction de ouf là, sur la fausse victoire contre Triple H. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé, Sturi? Donc raconte-nous un petit peu cet angle-là. Ah, oulala, mais moi je veux revenir du coup à la genèse de Jericho, parce que Jericho ils le font arriver heel, donc en août 99, avec cette super promo qui est hyper cultissime avec The Rock. Très vite après, il se retrouve un petit peu planqué dans la mid-card avec le titre intercontinental avec Shayna, c'est nul à chier. Hardcore Holly. Avec Shayna, avec Hardcore Holly, et c'est seulement après, voilà, quand il est champion intercontinental, que ça décolle, parce que face à lui, il y a Angle, il retrouve son copain Benoît, ils font des matchs de ouf. Le public accroche à Jericho, il tourne, c'est un peu, tu vois, comme vous en parlez, il fait un face turn un peu organique. Organique, voilà, parce que le public aime Jericho. Et son face turn organique, il le fait déjà à la fin à la WCW, malgré tout. Oui, tout à fait, avec la feud avec Goldberg, forcément, ouais. Les gens, ils trouvent super drôle déjà Jericho à ce moment-là, donc oui, forcément, il va plaire. Et il se retrouve comme ça dans un match qui est booké, il me semble, par le commissionnaire. Folie, non? Je sais pas. Non, c'était Human Power. C'était la McMahon-Hemsley Faction. Pouvoir, oui, parce qu'on a oublié de préciser ce qu'on a parlé vaguement de Triple H. Oui, c'est à l'époque la figure d'autorité avec Stéphanie. Début 2000, c'est eux qui dirigent la WWE. Vince McMahon n'est pas là. Je crois que c'est pour venger Stéphanie McMahon. Oui, voilà, parce que Hunter va l'affronter. Jericho, il fait ouais, mets le titre en jeu. Et Hunter, il fait pouf, rien à branler. Et c'est Earl Hebner qui va en pâtir le plus, hein, finalement, dans les storylines, parce qu'il va se faire virer, je crois, à la suite de ça. Oui, voilà. Dans les storylines. Il n'y a pas les acolytes qui interviennent dans ce match. Je sais plus. Si, il y a les acolytes qui viennent virer DX, il me semble. Oui, voilà. Parce que c'est DX Heel, DX corrompu à l'époque, c'était nul, ça d'ailleurs. La DX 2000, avec le thème d'agression derrière là, agression gros caca à l'année 2000. Oh putain, disque de la WWE. J'ai passé un thème, je crois que c'est celui de Gangrel d'agression dans C'est ça le catch FM. Les gens ont vomi. Donc agression qui était le CD de rap où on reprenait les plus grands thèmes de la WWE. Du beau monde quand même, t'as Run DMC, t'as Snoop Dogg, t'as quand même des Busta Rhymes. Non, je dis que t'as des conneries, t'as pas Busta Rhymes. Non, je crois pas. Je vais vérifier. Il y a quand même des gros noms du rap. Et donc, toujours est-il que Triple H Despot, à l'époque, dans les storylines, va affronter Jericho, qui est le choix du peuple, quelque part. Et qu'est-ce qui se passe alors? Et Jericho gagne le match. Et il devient champion. Mais non. Mais non. Parce que Hunter va forcer Earl Hebner à renverser la décision. Il le justifie pourquoi Un fast count. On va le revoir, le fast count. Mais moi, à mon époque, il est un poil rapidos. Un poil. C'est pas Nick Patrick, quoi, par exemple. Non. À Starcade 97. Starcade 97, non. Il n'y a pas de passe. C'est Hogan le champion. Enfin, voilà, très bien. Donc, pas tout à fait l'année de Jericho qui explosera plus tard, notamment un an plus tard, finalement, vers No Mercy 2001. Mais il commence à se faire une petite réputation et on a l'impression qu'il part du bas de l'échelle malgré tout. Jericho, il arrive avec beaucoup de fanfare autour de lui. Il arrive vraiment, on se dit, c'est le nouveau don de Dieu au Warcraft WWE. Mais il va vraiment gagner les échelons, il va partir d'hyper bas, quoi, finalement, à la WWE. Mais en fait, c'est un peu dingue parce que du coup, il fait le co-main event de Fully Loaded quand il fait le Last Man Standing contre Hunter. Contre Hunter, donc ça, on est en juillet. On est le 23 juillet, comme aujourd'hui, on enregistre l'émission un 23 juillet, donc un joyeux 16 ans à ce match. Oui. Et ça aussi tout le temps parce que la fin d'année, il se retrouve un petit peu à fuder avec Chris Benoit, c'était des matchs excellents. Mais la fin d'année, il feud avec X-Pac. On s'en fout, quoi. C'est pas mal, le match en cage avec le bump de X-Pac sur la porte d'entrée, les boules les premières, c'est chaud, quand même. Le truc qu'ils ont repris avec Morrison, tout ça, quoi. C'est avec Jeff Hardy. C'est fun, mais tu sens que Jericho, voilà, il est revenu à la mid-card. Et il va falloir attendre le segment, enfin, tout le segment avec Austin, avec Triple H, le match Triple H-Austin et Benoit et Jericho ensemble. Pour remonter de Jericho et au moment de l'invasion, voilà, il a cette feud avec The Rock qui va l'amener au Ayatollah of Rock'n'Rolla et tout le... Parce qu'il a quand même des gros matchs, hein. Triple H, donc Fully Loaded, Last Man Standing, et il a le match à WrestleMania qui sur le papier est gros avec Angle et Benoit. Qui est bon d'ailleurs, c'est un bon match, c'est juste que la stipulation c'est de la merde, quoi. Il a un super match à SummerSlam, très bon SummerSlam d'ailleurs, on va y venir juste après, avec un 2 out of 3 falls contre Benoit. Rabbi, Jericho en 2000. Bah, Jericho, faut savoir qu'il arrive avec... plein de projets et c'est surtout un protégé de Vince Russo quand il arrive. Sauf que Vince Russo, il se barre hyper vite. Mais il fait pas 4 ans, il fait pas 2000. Et il a une
Jericho a une hit, mais nucléaire. Sur lui, c'est chaud, quoi. Tout le monde le déteste backstage. Tout le monde a pris au premier degré, en fait, sa promo quand il arrive en disant « Je viens sauver la WWF avec ses boring performers. C'est chiant, on se fait chier ici, je suis le sauveur, machin bidule. » Et tout le monde, vu que quand même c'est les workers, c'est les plus gros marques la plupart du temps, tout le monde l'a pris au premier degré. Il avait une hit incroyable, c'est pour ça qu'il est relégué au mid-card après un petit bout de temps, il revient après. Et son travail dans le ring n'était pas apprécié non plus, il était hyper stiff, il paraît, il ne savait pas bosser façon dub de bœuf. Enfin, c'est lui qui raconte dans son livre. C'est vrai que ça fait un an qu'il est là à Fully Loaded 2000, ça fait un an, c'est juillet ou août, il arrive. Il est plus ou moins validé par Hunter, mais je suppose qu'il doit y avoir quelque chose qui ne se passe pas si bien que ça, où il change de plan, il fout contre X-Pac pour être sûr qu'en fait il va bien bosser, vu qu'X-Pac c'est toujours celui avec qui on mettait les workers, avec qui on n'était pas sûr. Comme Dolph Ziggler aujourd'hui, en quelque sorte, voilà. Ouais, un petit peu, ou Brian, c'était ça aussi, oui, Ziggler et Brian, voilà. Et au final, Jericho, il met une grosse année à s'acclimater à la WWF parce qu'il n'y arrive pas, quoi. Mais par contre, ça n'empêche pas que il est dans le top, dans les babyface les plus over de la compagnie. Tu dois avoir The Rock, Austin, Foley et Jericho, c'est le top 4 des... Et encore Foley est à part, parce qu'il prend rapidement le rôle de commissionnaire... Ouais, mais si tu prends juste en babyface, il est très clairement en top 5. Mais DX, il aime pas. Il met une patate à un moment donné à China, en plus, dans un match. Et Hunter, il sortait avec China à l'époque. Donc, il s'est foutu de la hit tout seul sur la gueule. Je crois qu'il n'y a pas une bagarre legit avec le Road Dog aussi en 2000. Ah, j'en sais rien, moi. Ça, je ne connais pas. Parce que moi, j'ai lu tous ces bouquins qui sont pas mal, d'ailleurs. Je vous les conseille à tous. Tu dis à chaque émission. Ouais, mais à part le dernier, où c'est quand même un gros marque, je suis en train de le relire en ce moment, c'est un gros marque de sa gueule. Hein. C'est le Dave Grohl des catchers. Jericho, c'est. Oh là là, il suffit d'écouter son podcast, de toute façon, pour voir qu'il aime bien raconter, parler de sa vie. Voilà. J'étais à l'aéroport, j'ai suivi une nana, elle était chiante. Et puis j'étais assis à côté d'elle dans l'avion. Voilà. Tu vois, il est assez chiant là-dessus. Je connais les stars. Comment il s'appelle, le chanteur Metallica, James Hetfield. Hetfield, il m'a dit bonjour. Voilà. Et puis après, je suis allé parler au guitariste de Metallica. Et puis il y avait Ozzy Osbourne, il m'a dit bonjour aussi. Et en fait, son livre, c'est un peu ça. Et alors aujourd'hui, j'ai collé une image. Et puis après, j'ai fait caca. Et bon, bref. Mais oui, Jericho, 2000, c'est un petit peu la genèse de ce que ça va être après. Quand tu regardes quand même l'année 2000, où tu as ces trois mecs qui montent à fond la caisse, tu as Benoit, tu as Angle et tu as Jericho. Ouais. Qui monte à fond la caisse pendant cette année 2000. Aujourd'hui, on rage sur un mec comme Roman Reigns qui est monté au bout de 3 ans. Enfin, il est devenu champion au bout de 3 ans. Et on rage en disant que ça arrivait trop vite. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que Kurt Angle, c'est un des meilleurs catcheurs du monde et que Roman Reigns, il peut pas lasser ses fucking boots, quoi. C'est tout, quoi. Faut être sérieux. Je pense que Kurt Angle, alors je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est un des meilleurs catcheurs ever. Très clairement. Roman Reigns, il est mal utilisé. Et il est déjà trois fois champion de WWE en 3 ans, c'est ridicule. Mais qui change son putain d'outfit, Roman Reigns, quoi. Cette espèce de truc là sur le torse, mais c'est quand même extraordinaire. Mais qu'il soit bien utilisé, surtout. Il faut qu'on voit. Mais même pas forcément. Alors moi j'aimais bien quand il était un peu tweener. Avant la suspension, j'aime bien qu'il soit tweener et qu'il a no ledge, qu'il y a de la hit, mais qu'il change rien. Ça lui donne un truc. Mais ça j'aime bien, j'aime bien. Maintenant on sait pas comment ça va se passer, il va revenir, bon on n'est pas là palais d'actu mais on va voir. Mais la différence c'est que Roman Reigns il se rapproche plus du Warrior sans l'overness que de Kurt Angle par exemple, tu vois. En termes de sa montre vite quoi. Dans le ring franchement il a 4 moves Roman Reigns et je sais, alors moi ce qui me fait mal c'est que je sais qu'il est capable de mieux. Mais pourquoi Roman, je l'ai déjà dit dans une émission de la Fabuleuse Histoire. Pourquoi il ne se sert pas de sa force, Roman Reigns? Pourquoi il fait pas des souplesses, des gorilla press? Pourquoi il balance pas des tu le vois là comment il galère là à prendre les mecs pour faire sa power. Mais c'est un truc de fou quoi. Oh putain Hunter, mais qu'est-ce que t'es lourd bordel. Et boum. Son Samoan Drop, il suce la bite. Non mais franchement, et pourquoi il est pas... Pourquoi Roman Reigns ne se sert pas de sa force quoi? Ça je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il en a pas. Oui, il a oublié. Il est pour un peu de temps. Il est peut-être griffé, non? Je sais pas qui produit les matchs de Roman Reigns. Un mec qui est Vince McMahon, cherche pas. Pardon? Un mec qui est poché comme Roman Reigns et qui est très mal utilisé, qui plus est, pour rebondir sur ce que disait Rabi, il est peut-être super briefé, c'est-à-dire que. Bridé. Super produit, oui. Bridé.
C'est-à-dire qu'on le, c'est on te push, mais tu vas dans cette lignée-là, quoi. Donc ça, tu peux pas faire. Alors pourquoi on demanderait dans ce cas-là, si on est la personne qui produit, qui brief, qui push Roman Reigns, peu importe la terminologie, pourquoi est-ce qu'on lui dit pas, putain, c'est bien que tu fasses un Gorilla Press Slam de temps en temps, quoi. C'est un exemple. Hein. Parce que ça se fait plus aujourd'hui. T'as le Taker a fait un Gorilla Press sur je sais plus qui. Moi, merci. Sur Benoît. Non, sur Benoît, insurrection à rébellion. Il fait un Gorilla Press. Pourquoi est-ce qu'il ne sert pas plus de sa force, Roman? Je comprends c'est pas. C'est pas le problème. Ça, c'est absolument pas le problème. Il serait heal, il aurait pas besoin de servir de sa force. Non, mais il a un dropkick, un Superman Punch, un Samoan Drop et une Spear. S'en branle de ça. Ça a jamais empêché qui que ce soit de faire non. un bon match. Alors, on s'en branle, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça la différence avec des mecs comme Angle, quoi. Non, mais. C'était la question de départ. Flair, il a fait toute sa carrière avec 5 putains de prises. Et ça n'a jamais empêché d'être bon. Roman Reigns. Arrête, tu parles de Ric Flair, la première année. Le problème de Ric, c'est qu'on n'aura jamais Reigns. Si, mais moi je suis pas d'accord. Moi je dis que ce mec-là, il l'a bien utilisé. Roman Reigns, quand tu veux, tu le mets en heal. C'est le meilleur heal qu'il y a eu depuis CM Punk. Alors, peut-être qu'on disait ça de Kevin Nash aussi. Le futur après a prouvé que Nash, en fait, il valait pas plus que ce qu'on voyait. Il était charismatique autant que tu veux, mais bon. Nash, c'est Reigns un peu. C'est la même chose, on l'a déjà documenté ça. Oui, c'est la même chose. Sauf que Reigns, il a fait des. Alors d'accord, contre des bons adversaires, mais il a fait des putains de bons matchs contre Brock Lesnar. C'est vrai. Putains de bons matchs contre Daniel Bryan, c'est super. Contre Triple H, bon, ça pue. Contre Wyatt, ça pue aussi. Hein, parce que c'est trop long, mais contre Edge Styles, c'était incroyable. Je pense que quand il a l'adversaire. Non, parce que t'as. Non, Brock Lesnar, par exemple, Triple H, il en a rien fait, toi. Oui, bon, après, t'as. Mais Roman Reigns, il est juste tellement mal utilisé, ils veulent tellement le. Kurt Angle, il est arrivé là, c'était pas. Vu qu'il était heel, c'était pas. On nous gavait pas comme des oies, toi. Roman Reigns, ça fait 2 ans qu'on nous le. On nous le donne, on n'en veut pas. À un moment donné. La bonne décision, c'est pas le pauvre drôle, lui, il est pour rien. Mais tu m'étonnes qu'il soit drogué pour oublier tout ce qui lui arrive. Non, mais oui. On a bifurqué. Je rappelle que la question de départ, c'est pourquoi on gueule sur Roman Reigns et on n'a pas gueulé sur Kurt Angle. C'est ça. Parce que Kurt Angle, il est heal, donc si ça nous a fait chier qu'il batte The Rock, c'était normal. Mais t'imagines quand même Kurt Angle, il gagne tout sa première année. Quoi. Enfin, c'est hyper bien. Red Lesnar a fait plus ou moins pareil. Hein. Ah non, mais là, il a gagné un King of the Ring, il a fait King of the Ring et le mais Kurt Angle, il fait tout en étant vu. Titre intercontinental, King of the Ring. Mais ce qui est fou avec Angle, c'est qu'il fait le tout en étant, tu vois, un catcheur battable. C'est-à-dire, il est vulnérable, il perd contre Taz. Mais ça, c'est la force d'un mec comme Seth Rollins aussi. Oui, exactement. C'est la force d'un mec comme Seth Rollins aussi aujourd'hui. Il faut des champions battables en heal, notamment. De temps en temps, un gros badass qui va tout péter comme Brock Lesnar, c'est cool. C'est super, mais c'est bien aussi d'avoir des gens heal, battables. Et c'est ce qui faisait la force de CM Punk quand il était face aussi. Quand tu vois ces matchs, quand tu vois Punk contre Lesnar à SummerSlam, c'est hyper bien parce que tu sais très bien que Punk, il est face et il va galérer, quoi. Et c'est ça qui fait tout le match. Il va galérer. Et c'est ça qui fait, à l'inverse, des champions battables comme Punk, comme Rollins, c'est qu'ils sont battables, ils vont galérer, mais quand ils sont heal, t'as envie de les voir perdre. Quand ils sont face, t'as envie de les voir gagner. The Miz, par exemple. The Miz, Céline, en ce moment, The Miz, il est super cool. Il est cool, oui. À la défense du Miz, il s'est retrouvé dans un four-way ou un five-way. Un four-way. Un four-way, c'est Cesaro, c'est The Miz, Owens, Zayn. Et c'est le Dark Horse, hein, The Miz. On se dit, putain, le mec, c'est bon, quoi, on s'en branle. Et il gagne le match, et c'est hyper bien, parce qu'il a rien branlé, et parce qu'il est opportuniste. Il est plus intelligent que les autres, c'est Ric Flair. Peut-être pas déconner non plus. Ah bah si. C'est une dynamique Ric Flair. C'est une dynamique Ric Flair. Et c'est un peu la dynamique Triple H aussi. C'est le cerveau, ça se passe dans la tête. Ils sont battables, c'est pas les meilleurs. Pour ça, il faut voir Wrestling Isn't Wrestling, où le mec l'explique très bien sur Triple H. C'est que Triple H, tout son gimmick, et en 2000, c'est là que ça commence justement, on revient dans le sujet, c'est que Triple H se voit meilleur qu'il est. Toute sa carrière. It's my time. C'est pas le meilleur du tout. Il est moins bon sur le papier que des mecs comme Austin, comme The Rock, comme des trucs comme ça. Mais par contre, il se voit tellement beau et il est tellement intelligent qu'il va gagner des trucs comme une pute parfois. Et ça se marche très très bien. The Miz, c'est dans une autre mesure, voilà, c'est le système Ric Flair. C'est le heel à la Ric Flair à la Gorgeous George. Après, il faut dire ce Gorgeous George. Triple H, il est beau. Il est beau après Triple H. 2000 ans. En 2000, Je suis pas intimement convaincu de la chose, moi. Triple H, c'est un mec violent parce qu'il a pas non plus le catch le meilleur. Sur le papier. Dans le gimmick. Avec The Miz à Ric Flair. Un petit peu quand même. Moi je trouve pas, non, parce que Triple H il avait le physique adéquat
Et la force. Oui, mais. Non, je trouve pas que ça pareil parce que. Il a un physique de Main Eventer. Oui, mais lâche comme il est. Mais Triple H, lâche comme il est. Avoir recours tout le temps aux armes, à la politique, dans tout ce qu'il a fait, toute sa carrière, depuis qu'il est plus le Aristo, depuis qu'il est avec Michaels. Après, il a eu Michaels, après, il s'est mis avec, avec Stephanie McMahon, et toute sa carrière, il a joué sur la politique, il s'est mis dans les Main Event tout seul. Ça, c'est storyline, hein. Je parle de café, je parle pas de ce qui se passe en vrai, ça, c'est, ça se voit plus en 2003. Avec Evolution, il s'entoure de mecs, un jeune, un gros balèze, Ric Flair. Il a toujours joué sur ses associations, sur son sens de la politique. Il était peut-être meilleur que des mecs comme The Miz, ou plus beau que des mecs comme The Miz, ou des mecs comme Ric Flair, mais Triple H, son gimmick, c'est qu'il se voit comme Conan le Barbare, on le voit à WrestleMania 23, on le voit à son entrée à WrestleMania 32. Il est produit en étant comme ça. Mais c'est ce que je te dis, je te parle que de gimmick là. Non, non, mais justement, c'est là où ça n'a rien à voir avec Ric Flair et The Miz, c'était des champions qui étaient battables. Oui, Hunter, Hunter aussi, tu vois gagner le WrestleMania 2000. Franchement, non, il est avec The Rock, avec le Big Show, avec Mick Foley. Il a sur le papier, il a comme zéro chance quoi. Il a toujours été produit comme étant un champion imbattable. Il gagne clean. Il gagne plus ou moins clean à WrestleMania 2000. Il y a plus ou moins. Voilà, bon, il y a le turn de Vince McMahon, mais. Il gagne pas clean, excuse-moi. Non, il gagne pas clean. C'est vrai. Mais, il gagne caca. Il gagne caca, mais il reste fort dans tout. En fait, Triple H, il a de la chatte. En fait, toute sa carrière, il a de la chatte. Oui, non, Austin, pas, Noah, de... après, c'est un de mes catcheurs préférés de. Mais c'est top 5 Hunter de ma vie. Il a une sacrée chatte. Attention, je dis pas que j'aime pas Hunter, je dis juste que pour moi, son gimmick, c'est un mec qui a aussi de la chatte. Excuse-moi, Noah 2001, quoi. Oui, il lui tombe dessus. Lui... Non, mais d'accord, il lui tombe dessus sur le tombé final, mais il y a un partout. Ça reste quand même un mec qui a réussi à prendre une folle. Regarde, quand il tombe de la voiture, il revient le lendemain. Oui, donné, ça va. Il est bouclé. Mais c'est vrai. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Il a toujours été bouclé. Mais quand, il s'est baissé. Voilà, il ne jamais baissé. Rien. Mais comme... Il s'en bat les couilles et c'est moi le champion et je gagnerai les points barres. Comme on dit en anglais, when push comes to shove. Quand t'es dos au mur, quand il est tout seul, tu deviens chaud. Ça marche pas. D'accord. Contre Brian, excuse-moi, à WrestleMania 30, contre Brian, il paume, clean. Non, mais 2014, c'est. Mais c'est bien sûr, carrière, mais non, il n'a pas changé de gimmick entre temps, Triple H. Non, c'est juste, il a dit je suis le King of Kings, mais c'est la seule différence, quoi. C'est la défaite à ce moment-là, c'est pas grave. Triple H, il gagne clean et bien quand il est face. Quand il est heel, mais c'est tellement rare. Steiner, il le bat. Goldberg, il regagne. Quand c'était vraiment le pinnacle, il gagne comme une salope. Attends, SummerSlam 2003, putain. C'est pas la question. Quand il part pour Michaels, Royal Rumble 2010, pardon. Quand il part pour Michaels sur le Rumble 2010, ouais. Il part quand même, tu vois, vraiment. Ah, mais... Tu vois, oui, mais attends, il y a des exceptions. Je dis pas qu'il a... Non, je dis pas qu'il est produit comme étant mauvais. Je dis qu'il est produit comme étant pas le meilleur et qu'il y a de la chatte qui fait jouer la politique. Moi, je suis pas d'accord. Il a toujours été produit comme étant le roi et il a toujours été avancé comme étant le meilleur catcheur du business. Donc, t'es pas d'accord fondamentalement avec le keep wrestling is at wrestling dans ce cas-là. Ben si c'est ce qu'ils ont dit, je me rappelle pas. Je sais que j'ai... Ben, allez le voir d'ailleurs. Tiens, allez voir la version sous-titrée. Tiens, je fais de la promo. Allez voir la version qui a été sous-titrée, intégralement sous-titrée et très bien sous-titrée sur la chaîne de Le Baron Spiréal VOSTFR. Voilà. Allez voir. Je mettrai le lien dans la. C'est ce que je veux, c'est mon émission. Merci. Je salue le ballon. Lambert. Ah oui, c'est ta dernière. On va discuter avec Rabi, on va décider. On va discuter. Voilà. Allez voir. Mais merci en tout cas. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord, alors je sais pas où est Sturie, mais si vous êtes d'accord avec moi ou avec Rabi, dites-le sur @FHCA podcast, #FHCA sur le Facebook, sur Mixcloud. En tout cas, on n'est pas d'accord. C'est ça la fabuleuse histoire du catch américain. Oh, c'est joli. Alors justement. L'année 2000. c'est vrai. Pardon. L'année 2000, hein, c'est vrai. L'année 2000. Non, ouais, mais ouais. Ça. Non, attends. Après, c'est une année importante pour Hunter. Oui. C'est l'année charnière pour moi, Triple H, où il va basculer entre le permit card et le main event. Et Kurt Angle, voilà. On était sur Angle. T'as lancé une comparaison, Sturie, avec Roman Reigns. Pourquoi Angle sur Roman Reigns et pas sur Angle? Ça, on a couvert. Kurt Angle qui déboule à l'automne 99 avec un petit peu de. Voilà, c'est le champion olympique legit. 96 lutte gréco. Oui, libre, ouais, je sais plus. De lutte. Et il part vraiment pour le coup du bas de truc parce que c'est Steve Blackman au début, c'est des merdes comme ça. Non, le premier c'est John Stasiak. C'est John Stasiak, mais après il a Steve Blackman. C'est Armageddon. Meet. Il a Armageddon, il a Steve Blackman, je crois. Oui, il me semble. Et Kurt Angle qui va avec Chris Benoit un petit peu incarner le 4 pur. On a déjà fait pas mal de comparaisons ici à la fabuleuse histoire entre Angle et Benoit en ce qui concerne les différences fondamentales entre eux des deux, c'est que Angle c'est un entertainer vachement plus que Benoit qui est quand même à l'époque
plus intense qu'Engel. Engel qui deviendra intense en fin 2000, à peu près 2005-2006. 2000, Benoît prend énormément de micro. Et on va y venir après à Chris Benoît. Je veux que Rabi nous parle de Kurt Engel, c'est un sujet qui lui tient à cœur également. Oui. Et tu dis quoi sur en 2000? Oui, en 2000, Kurt Engel. C'est organique. Mmh. Alors, en fait, il est ultra pushé en début d'année. Championnat européen, championnat intercontinental. Il arrive à WrestleMania en ayant les deux championnats. Il perd les deux championnats sans perdre, donc ça le laisse quand même strong. Après, il est avec Edge et Christian où on découvre qu'en fait, il est hyper drôle. Où il peut être vraiment drôle. Oui. Et les trois, là, ils sont complètement mongolos. Ils sont vraiment très divertissants. J'ai avec ce truc. Folie, là, ils sont drôles quand ils font les trucs. J'ai le truc, je crois que c'est à DDD Judgment Day, il me semble, où ils font un orchestre country tous les trois. Oui. Avec les fausses dents pourries. Ouais, voilà, avec Edge qui prend un accent « Hope you all enjoyed it !» Voilà, avec, où il joue du banjo et tout. Bon, bref, c'est très drôle. Il a une année voilà, qui est hyper intelligente, où il est poussé en début d'année. On laisse tranquillou en milieu d'année. Enfin... plus ou moins, tu vois, on laisse un petit peu en mid-card, voilà. King of the Ring, quand même, en juin. Et, non, mais, ce que je veux dire, c'est que il a quand même... C'est vrai qu'il paume son titre contre Benoît et Jericho, voilà. Ses titres, après, jusqu'à juin. Il a un petit coup de mou, on le laisse tranquillou, tu vois, histoire de monter tranquille, de mettre over son... Et du Bob Backlund aussi dans les pattes, à un moment. Alors, c'est Bob Backlund qui doit le préparer au match de WrestleMania 2000, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Et en fait, au final, il bute Backlund et lui pique ça... Et lui met la chicken wing et il s'en sert plus, dommage, parce que c'est une super move. Bon, bref. Engel. Et bon, mais il gagne le King of the Ring tranquillou. C'est vrai qu'il le gagne tranquillement. Voilà, parce qu'en même temps, il n'y a pas grand chose. Rikishi est mort. Hein, voilà. Il a Jericho le premier gros match. Et en deux, il a quoi? Il a crash au lit. Il a crash et après, Rikishi qui est blessé par Benoît. Ouais, voilà. Tranquille, il perd contre Taker à Fully Loaded. Et il perd contre Taker à Fully Loaded dans 7 minutes et on s'en branle. Ouais. Bon, mais c'est Taker en même temps, tu vois, il n'y a rien de. Ouais, non, après, attention, il passe le show à se poursuivre backstage. Il y a gros focus sur Engel. Il a son scooter. Engel essaye de piquer la moto de Taker. Et Taker, il a envie de le défoncer. Le problème, c'est que Taker est déjà blessé au genou, donc il boite, il est plus lent qu'Engel. Oui, il lui a mis un coup de chaîne. Et ça, c'était à SmackDown ou à Raw. Et il est déjà blessé au genou et Engel. Donc va défoncer le genou de Taker, mais il va perdre quand même. Après ça reste l'Undertaker, on y revient dans 15 jours dans le Fabulous Histoire. Et bon bref, à SummerSlam il a sa feud avec Hunter, tout ça là, le feu d'artifice dans le clip où il embrasse Stéphanie avec le feu d'artifice derrière là, comme ça c'est hyper marrant. Et puis bah après c'est la bonne surprise quoi. Super main event de SummerSlam 2000, Triple H, The Rock, Engel. Oui, il manque de mourir Engel sur le pedigree là, qui est botché là, sur la table. Il manque de mourir, c'est d'une violence quand tu revois la tête d'Engel. Commotion, on dirait. Non, mais il y a les médecins qui sont là et tout le bordel. Il passe 10 minutes à l'extérieur du ring. Il revient, il le ramène backstage. Hunter est en train de se faire malmener par The Rock. T'as Stéphanie qui vient le voir qui lui fait oh non, please Hunter. Enfin, va aider Hunter. Tu vois, j'ai très bien Stéphanie McMahon. Merci pour tout. Merci. Je vous en prie. Et il revient et il attaque Hunter. c'est très très drôle. Et au final, il pomme et il ramène Stéphanie backstage. Ça, c'est drôle aussi, quoi. Stéphanie qui devient donc du coup sa manageuse pour Armageddon. À partir de 2000, Kurt Angle qui va faire que des bonnes choses à la WWE. Toute sa putain de carrière, quoi. C'est quand même extraordinaire. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais moi, je voulais juste te dire qu'au final, Kurt Angle, c'est plus l'épitome d'un champion comme The Miz et Ric Flair, justement. Ou par contre, c'est un champion de merde, entre guillemets, parce qu'Armageddon, il a juste. Une chatte, mais alors, c'est même plus c'est une chatte. C'est la chatte de Stéphanie, on en parle. Voilà. Ouais. Tous ces matchs, en fait, voilà, c'est vraiment le champion super, super battable. Mais par contre, c'est le champion qui va faire des matchs aussi, comme tu dis, où tu commences, même si en 2000, c'est pas là qu'il est le meilleur, Kurt Angle, mais tu sens que. Ils ont eu le nez creux WWE de le toper parce que enfin maintenant on le sait, donc c'est facile avec du recul de dire ils ont tellement eu raison parce qu'il était quand même plutôt énorme. Mais oui, déjà il était trop cool, Kurt Angle. Est-ce qu'il a déjà pas été cool, Kurt Angle? Il prend le championnat mondial, hein, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas le catch aussi bien que nous. Ah non, merci. Nous, ça fait quand même 25 ans qu'on regarde à No Mercy 2000 contre The Rock. Qui sort de défense contre Benoît notamment et contre Unforgiven, c'est Kane, Taker, Benoît, c'est ça? Non, Unforgiven, c'est juste temps. Non, Unforgiven, c'est The Rock, Taker, Kane. Non, il le prend contre The Rock, c'est comme c'est à quel pay-per-view. Non merci 2000, le même jour. Non merci, oui. Non merci, il faut le voir parce qu'il y a ce truc-là avec Angle qui prend le titre et il y a Benoît contre Hunter.
WrestleMania. Oui, super, super cool. Quel grand, grand match. Et je me souviens de Suprémilien à l'époque, tu te souviens, Story, sur forum de Catchland, qui était un anti-Hunter. On lui avait dit, regarde le match contre Benoît, non merci. Et il était venu me voir en me disant, ouais, c'est... on voit qu'Hunter catch très, très bien. Et c'est vrai qu'Hunter, quand il veut, voilà, c'est le catcheur pour moi. Le catcheur de l'année 2000, pour moi, c'est Triple H. Moi, le catcheur le plus marquant, c'est Kurt Angle pour l'ascension. Le plus marquant. Le meilleur, oui, c'est le rookie, en fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rookie? Ah, c'est un rookie. Il arrive 3 mois avant. C'est le rookie de l'année. Catcheur de l'année, ouais, je dirais Triple H. Et rookie de l'année, c'est Kurt Angle, clairement. Le rookie de l'année, c'est The Rock. Forcément. Je voulais le garder pour la fin. Petit aparté, on parlait de Jericho tout à l'heure. Attends, juste un instant, mon sourire retient ça. On parlait de Jericho tout à l'heure. On n'oublie pas qu'il finit très très mal l'année avec une chute contre Kane. Avec le café. Jericho qui discute avec Kane, on sait pas pourquoi, backstage à l'automne 2000, et qui renverse du café sur Kane, et la feud est lancée, et Kane sur Jericho au Survivor Series 2000. Over Kane, inexistant en 2000. C'est le caca, très c'est peu présent Kane. C'est le caca. Il apprend à parler. Ah, c'est vrai qu'il apprend à parler. Il parle avant le King of the Ring, voilà. Non, il parle, il fait... My name is Kane. And I am a Rudy Poo Candy Pie. Candy S. Ta gueule. On va parler, avant de parler de The Rock. Qu'est-ce qu'il faut voir en 2000, les amis? Qu'est-ce qu'il faut regarder? On fait 3 matchs chacun? Non, on va faire une liste, on va la donner. Prenez vos petits bouts de papier. Faites-nous confiance. On va parler de Triple H contre Mick Foley. C'est au Rumble et à Nowhere. Vous ne trouverez pas sous le nom de Mick Foley, mais c'est le nom de Cactus Jack. Hein. C'est donc Triple H contre Cactus Jack, Rumble 2000, Nowhere Out 2000, Street Fight pour le premier et Hell in a Cell pour le deuxième. Ouais. Bonne storyline derrière avec le Mick Foley qui se fait virer, etc. Et ils veulent recréer la magie de King of the Ring 98 avec un nouveau bump où Foley passe à travers la cage et le ring. On est d'accord, mon Rabbi, que ce sont les matchs, les deux matchs qui ont fait la carrière d'Hunter en main event. Oui, en tout cas, c'est les confirmes. Si c'est pas c'est ça, ça confirme, c'est la bénédiction. Voilà. C'est de, comme on dit en anglais, c'est le rub. Vas-y, mon petit, en fait, oui, t'es bon. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir le ladder match de WrestleMania 20, les Edge et Christian, Hardy, de WrestleMania 2000, pardon, excusez-moi. Les Hardys contre Edge et Christian contre les Dudleys, Sturi. SummerSlam 2000. Et SummerSlam 2000 également. Et j'ajouterais le Royal Rumble 2000, Hardys contre Dudleys. Hardys contre Dudleys, tu le mets derrière les fagots un petit peu. Je mets un peu derrière les fagots, il est bien, il passe très bien. Des choses que tu veux nous conseiller, Ravi? Moi, c'est plus en fin d'année, No Mercy and Unforgiven, c'est deux pay-per-views que j'adore. T'as le match en cage entre les Hardys et Edge et Christian qui est super. Parce qu'on parle toujours de leur match TLC, machin, mais en cage, ça marche aussi très bien. C'est pas de 2001? C'est 2000. Non, c'est 2000. Ah ouais, autant pour moi. Attends. Mais en 2001, en series? Non. Edge et Christian? Ouais. Ah oui, Edge et Christian, oui. C'est pas les... Edge et Christian et les Hardy Boys, c'est Unforgiven ou No Mercy, un des deux. Je confonds. Ah, c'est Unforgiven, c'est Unforgiven. C'est celui que j'ai pas vu, c'est Unforgiven. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as les matchs, t'as Triple H Angle et Triple H Benoît, pareil, Unforgiven et No Mercy. No Mercy 2000, Triple H Benoît. Voilà, t'as ces deux matchs qui sont super. Fully Loaded. Toute la carte. Hunter Jericho. Surtout le Hunter. Est-ce que c'est Jericho, pas le meilleur? Non, la carte, non, sans déconner. Saturne contre putain Eddie, c'est pas terrible. Les Edge et Christian, alors il y a un truc à voir, c'est la promo d'Edge et Christian avant, parce que alors, promo guys, année 2000, Edge et Christian. Ouais. Triple H, Kurt Angle. The Rock dans une autre mesure. On dirait Kevin Nash. On aurait dit le jingle du top 5 débuts dans Téléfoot. Ça faisait exactement comme alors, ça. Là, on ne parle qu'aux trentenaires qui écoutent la fabuleuse histoire du catch américain. C'était pas le stop 10 dans. Ou peut-être le stop 10. On n'a pas que ça à dire, les gars, s'il vous plaît. Bernard Lama contre Guingamp. Je veux bien qu'on digresse, mais pas sur autre chose que le catch. Sturi, des choses à voir en 2000. Je suis désolé, Bernard Lama, il aurait fait un super cadeau. Non, bon, bref. Bon, autre chose à voir en 2000, voilà, on a fait déjà un gros tour. Hein. Mais oui, Triple H Jericho, Last Man Standing Match de Fully Loaded, à voir. Benoît The Rock, Fully Loaded, toujours, main event est dément avec le. Avec Benoît qui manque de perdre, enfin qui a failli devenir champion d'ailleurs, et c'est un peu fou. Toute la fuite Benoît Jericho, il y a le Two of Three Falls, s'il fallait en citer un, celui de SummerSlam, celui-là je le garde. Il est bien. Il est bien.
à voir, mais plus pour la déconne, parce que t'as beaucoup de monde, c'est un Hell in a Cell, c'est le dernier match de Armageddon. Alors moi je pense qu'il faut pas le voir, moi je trouve ça dégueulasse. Moi je l'aurais pas gardé non plus. Alors même si c'est à voir parce que c'est le seul. Sur l'œil, à l'œil, sur le papier c'est à voir. Enfin ça attire l'œil. Enfin c'est très star. C'est une affiche quand même voilà. Mais c'est long, c'est chiant, mais c'est très star power. À éviter. Steve Austin. X-Pac Jericho c'est bien aussi. Hein? X-Pac Jericho. Ah X-Pac Jericho c'est pas mal. C'est vraiment génial. Le match en cage justement est plutôt pas mal. Mais après ça va plus être des matchs que tu vas trouver à SmackDown ou à Raw où t'as des trucs même à Heat, tu vois, où t'as Jin Malenko qui peut catcher contre Takami Shinoku, c'est toujours assez cool. Le Tenman. Le Tenman en janvier. Ah, tu nous en as parlé récemment, très bon ça. On en a parlé dans l'émission contre Chris Benoit. Chris Benoit. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir le Tenman, donc c'est tout cool. Rikishi, Mick Foley et The Rock contre Benoit, Saturn, Malenko, Triple H et X-Pac, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, je crois. Et ambiance de foufou. Mais alors, une ambiance de foufou, ouais, mais comme... mais c'est du foufou, hein. C'est pas banal. Et le match est super fun, c'est foufou, c'est bien. Moi, j'apprécie. Avant de finir, on doit évoquer, on se doit, c'est la fabuleuse histoire, on est objectif. On doit parler de tout cool. Aussi en 2000 qui c'est un sujet parce que c'est un sujet controversé on parle pas du droit de la censure justement c'est du right to censor. Il faut parler de tout cool qui de nulle part deviennent over like fuck mais un truc de fou, c'est presque même eux qui donnent leur overness à Rikishi à ce stade là quoi. C'est le mec qui fait le worm là, Scotty to Otis, c'est fini. C'est terminé. E-R-S. Non mais c'est incroyable, tout cool c'est quand même l'arnaque du siècle. C'est quand même une équipe exécrable. Moi j'aime bien Brian Christopher quelque part, Brian Lawler. Tout cool qu'il y ait une équipe. T'as vu que c'était bien. Non, ce que je suis en train de dire c'est que. Il est carré quoi. On a découvert qu'il avait pas des vrais cheveux là, qu'il avait des dreads là quand il perd son truc. Oui, mais. J'étais choqué ça, quand j'étais gamin. Ouais. Parce que tout cool pour les gens qui nous regardent, c'est une histoire, c'est un jobber, hein. C'est Scott Taylor, qui est un gros jobber. Je crois qu'il a le premier match de Steve Austin de la WWE, c'est lui qui fait son premier match contre Austin. Premier match parlant contre Scott Taylor. C'était le Ringmaster Steve Austin à l'époque. Scott Taylor jobber un peu comme le Brooklyn Brawler, un peu comme le Kid aussi avant qu'il batte Razor. Et Grandmaster Sexy, c'est le fils de Jerry Lawler qui a jamais rien branlé de sa carrière à part être le mec qui affronte Takami Shinoku, c'est tout ce que c'était. Et le fils de Jerry Lawler. Et ils font une équipe invraisemblable, mais qui est super over. Avant c'est tout rat. Le thème est super d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe quoi? Avec tout cool. Non mais sérieusement, c'est une vraie question parce qu'ils étaient ultra over tout cool. Ils ont été champions par équipe en 2000. Qu'est-ce qui se passe avec tout cool? Je sais pas. Moi j'ai. C'est un ovni cette équipe quoi. Je comprends rien. C'est d'accord. Vous avez pas envie d'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors à l'heure actuelle, je pourrais comparer ça, aller vite fait par rapport au contexte de l'overness, tu vois, un petit peu à Enzo et Cass. Mais ils parlaient pas tout cool. Mais non, ils dansaient. Mais c'était fun, je sais pas, les gens voulaient du fun. Non mais t'as quand même Edge et Christian, les Hardys et Dudleys. Mais c'était pas un quotient fun comme Too Cool. Too Cool, c'était vraiment la déconne. On fait la fête, on est content quoi. Voilà, on danse, on se met des lunettes quand on est sur la deuxième corde. Voilà, c'est positif. On fait le moonwalk, on fait le vert, on fait le vert. Dans les cartes. Moi je sais pas. Et alors. J'étais plus un enfant, hein, j'avais 18 ans à l'époque. Mais pourtant, ça me... Oula, je l'ai supporté. Moi, j'avais rien fait. J'ai essayé de faire le verre dans ta chambre. Oui. J'ai raté. lamentablement. Je pourrais bien faire le verre. Mais après, le verre. Non, je suis pas le verre. Hein. Allez. Non, mais après, non, alors, je comprends en fait pourquoi ça marchait, parce que c'était rigolo. Oui. Mais j'avoue que quand il perdait, il y avait au fond de moi un soulagement assez intense. C'est vraiment de... La logique est respectée. Parce que quand même, oui, alors c'est le genre de truc que tu comprends pas. Mais il fait les qualificatifs Scotty to OT pour les King of the Ring. Et on le voit gagner un de ses matchs. Après, il est pas au King of the Ring, mais on le voit gagner un match. T'as l'impression que tu vois que c'est hyper over, tu vois. Qu'il va gagner le King of the Ring tellement que le mec, il est cool, quoi. Il a un super match contre Malenko en 2000. Oui, il a des pour le championnat matchs, il y a des matchs très bons matchs contre Malenko. C'est un bon catcher. Hein. Scott Taylor, ouais, carrément. Ouais. Brian Christopher, not so much. Non. Hein, voilà, ça pue du cul quand même. J'aime bien. Ah non, c'était too much, pas too hot.
C'était too much. C'est too hot Scott Taylor. Oui, c'est too hot Scott Taylor. Et l'équipe, c'est too much. Too sexy et too hot, c'est too much. Oui, ils battent justement Al Snow et Head en mettant une bouteille de Head & Shoulders sur Head. King of the Ring 98. Voilà, pour faire le tomber sur Head. Parce qu'il y a Head & Shoulders maintenant. Céline, on t'expliquera plus tard. C'est pas grave. Leur attitude, c'était mais top. Mais il y a un catcher qui était managé par une tête de mannequin, mais une tête juste. C'est un show. Ça a l'air cool. Attention, ça a l'air cool. Sur le papier, c'est bien. Mais au bout de 3 ans, c'est de la vente, on a plein les couilles. Le Ride to Censor, en fin d'année. Ah, j'aime bien. Il nous reste 20 minutes. Stevie Richards, qui a toujours été borderline à la ECW. Qui était quoi? Borderline. Qui était borderline. Borderline. La jubande. Et on boit du vin rouge qui est très bon d'ailleurs. Oui, oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, comme souvent avec modération. On a 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger. On est où? On est où? McDo Pinard! McDo Pinard! Manger, bouger! Manger, bouger! On vous réserve une surprise demain d'ailleurs. On enregistre l'émission le samedi 23, le dimanche 24. On vous réserve un truc et on va le mettre comme ça de nulle part sur internet. Vous allez voir, on va bien rigoler. Vous allez voir ce que c'est la vie de la fabuleuse histoire. La gueule de bois de César Cage et la FHCA. Ça va être un grand moment, les gars. On est où? Abandon! Le Ride to Censor. Cette fin d'émission est lamentable. Le Ride to Censor, s'il te plaît. Alors, c'est la vengeance de Vince McMahon contre tous ces culs serrés là, d'Américains qui veulent faire des procès, tout ça, parce que, a priori. Alors, la WWF, pendant leur attitude, il y avait beaucoup de. On montrait notre bite, on montrait notre cul. On disait des choses sales, mais rien du tout, quoi. Il y avait genre 57 fois suck it dans une émission. Est-ce que c'est bien grave pour la jeunesse? I don't think so. Donc, c'était toutes les associations comme ça à la con, là. Le PTC, je crois que c'est le truc de censure. C'est le prout to censor. Et en France, il y a Famille de France à la con, là aussi, là, tous les cathos, là, qui veulent l'interdire. Ah, mais il y a le CSA, surtout, en France. Non, c'est surtout Famille de France qui a vachement fait chier. C'est pas vraiment le CSA, c'était plus des associations comme Famille de France. Les mamans contre la WWE. Oui, non, mais voilà, Famille de France qui a voulu interdire la sortie de GTA parce que c'est pas possible, tu conduis une voiture, comment ça, sans s'interdit dans les routes, c'est pas possible. Ils se sont arrêtés là. Non, mais c'est pas bien. Bon, bref, et Vince McMahon, vu qu'il aime bien toujours mettre dans ses storylines des trucs pour emmerder ceux qui l'emmerdent dans la vraie vie, The Ride to Censor, c'est sa réponse à ceux qui disaient que son produit était vulgaire, ce qui n'est pas vrai du tout. Vulvaire un peu. Et donc voilà, mais Stevie Richards, c'est un super leader. Talker. C'est un très bon leader en fait. Mais carrément, putain. Ivory, il est super. Le Goodfather, il est cool. Et Bull Buchanan, il sert toujours à rien. C'est malheureux. Moi, je l'aime bien en plus. Et il y a le Goodfather, tu l'as dit, le Goodfather. Oui, mais t'écoutes rien. Ah non, j'écoute plus là parce que je vous laisse parler. J'aurais plus rien à foutre. Sturi, ton opinion sur le Ride to Censor. Alors moi, j'ai tellement pas fini. C'est génial. Non, mais cet animateur renvoie quoi. Alors parle-moi de ça, ta gueule. Alors Sturi, c'est formidable. Mais attends. Je croyais que t'avais terminé avec. Mais non. Je croyais vraiment que t'avais terminé sur Ivory. J'avais terminé sur Ivory. Oui, j'avais terminé sur Ivory parce que j'y tiens. Très bien. Ivoire. Bon, mais vas-y, moi je veux. Non, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais je sais même plus là, tu m'as. Ils sont champions par équipe à la fin de l'année. C'est Buchanan et le Goodfather. Il y a Val Venis à la fin. Val Venis qui bah oui, Val Venis qui. Mais t'as fait dodo pendant 5 minutes ou quoi? Ravi a oublié de préciser que Stevie Richards est un bon leader de clan. Ce qui est génial, c'est que Stevie Richards, il vient de la ECW où il est assez borderline dans toutes ses storylines, tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il ramène donc justement des mecs qui ont eu des gimmicks un peu à part Bull Buchanan, parce que bon, il sert à rien. Oui, voilà. Il fait un très beau scissor kick. Hein, Bull Buchanan, de la troisième corde ou la deuxième? La troisième corde, là, il saute là sur la troisième corde, c'est bien. Oui, mais c'est voilà, c'est tout. Et le Goodfather qui voilà la débauche, le macro de quartier, etc. Voilà le pimp qui devient le bon père, ça c'est très très cool. Val Venis de l'acteur porno, donc justement ça se tient. Qui devient donc du coup hyper droit dans ses bottes et tout, c'est cool. Et Ivory, mais qui est chouette. Alors Ivory, elle représente. Je me souviens de Paige il y a 2 ans quand elle a commencé. Oui, quand elle voulait faire l'anti-diva. Quand elle voulait faire l'anti-diva, Ivory c'était ça avant l'heure. C'est l'anti-diva, mais ça, en fait, Paige elle est bonne. Oui, non, Ivory, attends, l'anti-diva, la nana, elle arrive à moitié à poil. Excuse-moi, elle a son push-up bra là, que tu vois que ça, Paige. C'est indécent, ces matchs, je peux pas les suivre. Oui, non, moi je trouve Paige plus vulgaire que Trish Stratus en 2000.
Drop mic. Alors, non mais sans déconner, les gars. Alors, il y a un mec sur Twitter, je sais pas qui c'est, qui a marqué. Ça va être la foire de 3CFM avec FHCA. Ah, la foire au cul. La foire au cul. Ah, Marcus. Bon gros cul. Et c'est la foire parce qu'on a un sujet. Il nous reste un peu plus de 10 minutes à couvrir. Ivory, on voulait. Vas-y. Ivory, elle pue du cul. Non, Ivory, elle est super. Non, sans déconner. Non, Ivory, elle est quand même super cool. Jupe longue. Elle est mignonne en plus, Ivory. Ah, non, mais dans Right to Center, elle est géniale. Oui. Et c'est elle qui va venir pâtir de cette storyline de merde avec China à WrestleMania 17 en 2001. Ah non, on ne parle pas de ça. C'est horrible. C'est 2001. On ne parle pas de ça. Elle reprend le titre féminin d'ailleurs à. Comment Stephanie McMahon, elle perd son championnat? Eh bien, je sais pas. Lita. C'est elle. Oui, c'est ça. Stéphanie le prend à Ivory, c'est ça? Non. Lita. Non, Stéphanie, elle le prend à. Merde. Si vous connaissez la réponse, @FHA podcast, hashtag FHA. C'est chiant ça, Stéphanie. Et vous pourrez venir assister à une émission. Si vous avez la bonne réponse. Ne promets rien. Non, mais vous payez billet de train et tout. Hein, ah ouais, vous démerdez, hein, mais vous pouvez venir quand même. Eh, je suis venu comment, moi? En voiture. Ah, voilà, voiture. Sans déconner, on va revenir au sujet année 2000, ouais. The Rock. C'est le dernier sujet de. On n'avait pas encore parlé de The Rock. On n'a pas parlé de The Rock. Il était populaire et c'était bien. The Rock, c'est l'année du rock à la WWE. Non, l'année de Triple H. Oui, mais c'est quand même aussi. C'est lui qui va bénéficier du spot de babyface ultime de la WWE au profit d'Austin qui n'est pas là. Et The Rock qui va échanger le championnat mondial avec Triple H plusieurs fois avant de le perdre une bonne fois pour toutes contre Kurt Angle. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Austin à Backlash qui va donner le championnat à The Rock en mettant un coup de chaise à Triple H. Oui. Et The Rock qui va se servir de l'année 2000 pour solidifier son statut de main eventer qui est toujours d'actualité 16 ans après finalement quoi. Carrément. Mais c'est hallucinant, même quand tu vois que The Rock affronte Chris Benoit à Fully Loaded, c'est le main event de Fully Loaded. Les gens sont fous derrière The Rock, tu vois. C'est pas les publics smart, tu vois, qui pourraient se dire on va tous se mettre derrière Benoit parce qu'on sait que c'est le vrai worker, etc. Mais faux, totalement faux. Les gens sont à fond derrière The Rock, il est populaire, il est cool, il est énervé dans le ring à chaque fois, quoi, il est électrifiant, mais il est super chouette. C'est une belle année pour The Rock, vraiment, vraiment une belle année, quoi. Il fait des matchs de fou, hein, The Rock, en 2000 ou pas pire? Mais il y a l'Iron Man match, on l'a pas trop documenté. Alors l'Iron Man match. Et pourtant il est sur 4 moves, hein, tu vois, pareil, comme on parlait de Ring tout à l'heure. Oui, pas grand chose, hein, The Rock. Mais non, alors moi j'aime bien l'Iron Man match parce qu'il est super, parce qu'ils ont un cardio les deux. 6 à 5 quand même. Oui, non, mais c'est ridicule. C'est chaud. Ouais. Mais par contre, c'est ridicule le nombre de chutes, voilà, c'est pas possible. Ce qui est ridicule, c'est la différence entre. C'est le deuxième Iron Man match à WWE, non? Oui. Ben 0-0. Tu pars de 0-0 à 6 à 5, tiens. Ouais. En 4 ans, ça fait 11 de plus, hein, quand même. Il y a quand même 11 chutes de plus dans le même. Dans le temps réglementaire, voilà. C'est les tirs au but. Mais le truc, c'est que. Merde, je voulais dire quoi? Shawn Michaels. Oui, Shawn Michaels. Le cardio. En 2000 de Shawn Michaels. Le cardio, la Il y a un cardio pour Hunter et Zrock. Ils y vont à Burn pendant une heure. Par contre, il ne sait. Il doit y avoir 3 restholds. Là où Michaels Bret Hart, il y a vachement de restholds. Et il se protège beaucoup dans l'Ironman match, Bret Michaels, ouais. Mais putain, The Rock et Hunter, ils y vont comme des porcs pendant une heure, quoi. Par contre, il y a un tombé sur un sleeper hold, hein, il me semble. Après, il y a des DQ, hein, chose, des coups de chaise. Il y a Hunter qui prend qui perd une folle pour pouvoir faire un pedigree juste après. Et, bon, au final, ça fait un partout et prend l'avantage. Mais The Rock, ouais, il fait des bons matchs contre Benoit, il fait des bons matchs contre Triple H, ils sont toujours honnêtes. Après, son match contre Hunter, il est caca. King of the Ring, c'est caca. Alors c'est Rock, Austin, c'est Rock, Hunter, Rock, Taker, Kane, contre Shane, Vince et celui Hunter, qui... non mais attends, il y a un spot dans ce match, le choke slam à travers la table, il est culte quand même, c'est à voir. Bon, c'est le premier truc de ouf que fait Shane McMahon. C'est entre Shane et... Non, Shane avant ça, il avait déjà sauté sur test. Non, sur le Big Show. Non, Backlash. Ah, Backlash. Je crois que c'était déjà joué. Ah, mais c'est déjà c'est avant. Backlash, il saute déjà sur le. Le spot, il est quand même, quand je l'ai vu, le gamin, moi j'étais ouf. Ouais, c'est le premier chaud, gros quoi, spot entre le Taker et Shane. Tu vois, tu prends l'histoire de Taker et Shane 16 ans plus tard avec WrestleMania. Bon, voilà, on s'en branle. The Rock qui va solidifier son statut de vedette pour la vie de la WWE. Au final, Triple H, il profite de l'absence d'Austin pour être. Bah encore plus over parce qu'au final ça reste c'est le top 2 au final, t'as The Rock et t'as Triple H, t'as plus Austin, voilà, t'as pas Undertaker, voilà. Mais The Rock par contre en profite en effet pour solidifier son statut de face numéro 1 de la promotion et de loin, comme tu dis Story, il est acclamé là où aujourd'hui t'as des faces, je comprends pas pourquoi ils sont hués, même à NXT
Je déteste la foule d'NXT, ça y est, c'est officiel. Ils sont un peu chiants. Ouais, non, ils sont insupportables. Et tu pourrais, quand tu avais eu un Nakamura contre Dillinger, tu avais la foule qui était à 70-30, quoi. Il y a 16 ans, ils auraient été pour Nakamura, mais... quoi, tu vois. The Rock, ils étaient pour The Rock. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il faut qu'il y ait des fans qui soient pour... tout le monde est pour lui. Ah, mais moi, je serais pour l'autre, tu vois. À un moment donné, non. Les gens, ils réfléchissaient pas à ça. Ils voyaient le mec arriver. Quoi. Non, mais ils marquaient surtout. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est de marquer sur les gens. Plus personne ne marque sur personne. T'as Daniel Bryan et point barre. C'est vrai que sur ces dernières années, j'ai personne. Que Bryan. T'as rien. T'as personne. Le reste, c'est de la smartitude. Et un peu Ambrose aussi, hein. Un poil en bois. Ah, je commence à avoir du mal. Attends, je commence à le moi. Je parle pas de moi. J'étais le premier de nous tous. Même le public. Ah, j'ai vu les deux matchs contre Rollins là. Non, mais j'étais le premier de nous tous à mettre des doutes. C'est 50-50 quand même. J'étais le premier à mettre des doutes sur Ambrose quand j'ai vu son match contre Hunter à Toronto. Roadblock. À Roadblock, voilà, c'est ça. Le Roadblock de la WCW qu'on salue d'ailleurs, Marco. top 5 de mon draft. Oui, j'ai mis des doutes, mais ce que je veux dire, c'est qu'Ambrose, à une époque, à la rupture du Shield, il a quand même eu un truc de face pur qui s'est passé. Et en effet, moi, je vois que lui et Bryan, en fait. Je suis d'accord avec Ravi pour le coup. Oui, mais tu vois, c'est raté, c'est comme pour Van Damme en 2001. Voilà, c'est ça. Parce que Ambrose... Van Damme 2001-2002, c'était Ambrose il y a 2 ans. Parce que je me souviens de SummerSlam où il y a Ambrose Rollins, le Lumberjack match qui est hyper bien, qui a le feu, c'est pas le match de l'année, mais il y a une patate, ça se passe hyper bien. Ambrose, il perd le match. Et avec Ravi, à l'époque, on s'était dit, ce serait que ce soit le dernier qui perde contre Rollins en fait. Et non, ils en ont rien fait de tout ça, quoi. Parce qu'il était super over et ils ont attendu ces connards que ça tombe. Pour remettre Ambrose sur le devant de la scène, les gens ils y croyaient plus déjà quoi. Non mais Ambrose il a perdu contre Rollins. Il a servi de serpillière pour Bray Wyatt. Il a servi de serpillière après en 2015, je sais plus pour qui, mais pour tout le monde. À part Kevin Owens. Il a servi de serpillière pour Triple H. Et aujourd'hui il arrive champion et il voudrait que les gens soient autant à Burn qu'il y a 2 ans quand il était vraiment over. Ouais, WWE, une série de matchs chiants contre Jericho. Non mais c'est ça. Ils ont une capacité à être 2 ans en retard sur tout. Nob de B qui est fascinante. Mais pour en revenir à The Rock, en 2000, c'est la consécration du plus gros face, peut-être, avec Austin, de l'histoire. Il se transforme en poule aux œufs d'or, The Rock, en 2000. Oui, alors que ce qui est incroyable, c'est que ce mec, il casse tous les codes des babyface parce qu'il enterre ses adversaires. Il les met jamais over. C'est ce que j'avais dit dans la émission sur les plus grands babyface. Moi, mon premier truc que je pensais, c'est Monsieur Connard, The Rock, quand même. Public, c'est quand même un gros Monsieur Connard, quoi. C'est Monsieur c'est Connard. C'est un bully, quoi. Ah oui. Non, mais il défonce tous ses adversaires. Généralement, dans tous les trucs de catch, t'apprends qu'il faut dire que ton adversaire est quand même bon parce que sinon, si tu le bats, t'en gagneras rien. The Rock, il s'en bat l'oignon. Lui, il arrive, il fait, lui, c'est une merde. Parfait. Et c'est sa promo. En gros, c'est sa promo, quoi. Lui, c'est une merde, je vais le défoncer, le Big Show. Well, it's a big show. Voilà, c'est tout. Après, c'est hyper drôle. Il le dit de façon si divertissante et drôle que tu peux rien faire d'autre que faire. Mais lui, il est trop cool. Mais je veux qu'il gagne, quoi qu'il se passe, quoi. The Rock, on clôt le sujet. The Rock, la question qui tue. On peut pas s'allumer de clope. Alors, parce qu'on est chez moi, on ne fume pas dans l'enceinte de mon appartement. La question tu qui peux tue, je rappelle. Le micro sur le balcon. On a digressé un petit peu sur l'actualité du catch. On a parlé de Roman Reigns, de Dean Ambrose. C'est parce que ce soir, c'était une émission spéciale. C'était une émission 2000. Dans le cadre de cours normal de la fabuleuse histoire, on était avec 3 CFM aujourd'hui. Et c'est ça le catch FM, Ludivine, qui est là, et Sturie. Bien sûr, vous pouvez retrouver la fabuleuse histoire du catch américain dans 15 jours avec une émission sur l'Undertaker pour la première fois et après pour de bon sur la chaîne de C'est ça le catch. En attendant, vous pouvez nous écrire sur @FHA podcast, #FHA sur YouTube, sur Mixcloud, catch-news avec un z.com sur Paris Catch également. Sturie ! Pourquoi moi ? Parce que c'est toi. Mais et Rabi ? Ah non, on l'affront ! Il y aura Rabi après. Il y a une question qui tue chacun. J'étais à deux doigts de te gifler. Il y a une question qui tue, vous êtes deux à y répondre. Excuse-moi Rabi, je n'y suis pour rien. Je ne m'attendais pas à une réaction comme ça. Moi, je voulais la poser aux deux, mais ce sera la même question. Ah oui, non, mais je me mets à ta place. Sturie. Oui. T'es booker WWE. Oui. T'es en 2000. Oui. Austin n'est pas blessé. Que fais-tu de Steve Austin la première moitié de l'année 2000? Rabi, tu répondras à la même question juste après. Ouais, bien
compliqué d'être patron. Oh putain. Oh, à un moment donné, on reçoit, Ravi, on reçoit, il faut. Je feud avec Hunter. Tu feud avec Hunter. Direct, oui. Direct. Oui. Mais oui, ça doit être ton support de l'année, quoi. Mais The Rock se retrouve au second plan, clairement. Pour toi, l'instant, tu ferais ça. Triple H. Tu gardes Austin en haut et tu mets The Rock au second plan. Je mets The Rock au second plan. C'est The Rock, pas le. The Rock vient. Peut-être qu'on tourne Austin. Je sais pas. C'est dur, quoi. C'est. Oui, parce que j'aime beaucoup, moi, le run d'Austin en heel. Donc, est-ce que Austin, après LV, peut tourner heel plutôt en 2000 s'il n'est pas blessé pour aider The Rock à solidifier? Je sais pas, j'ai un doute. Mais je le mets en priorité au début de l'année 2000 contre. Ouais. Contre Hunter. Je le mets contre Hunter, ouais. Rami! Alors. Mais moi, en fait, pareil. Je mets Austin contre Hunter et The Rock contre les Radicaux. Oh, oh oui. Ouais. Oh là 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 là. Ça c'est une très belle option, les The Rock contre les Radicaux. Ouais, histoire que les deux aient quelque chose à faire et tu t'en fais tes deux plus grosses feuds de la promotion. Ouais, tu... Et tu fous Cactus Jack avec The Rock. Même tu fais une Rocking Sock Connection contre les Radicaux et t'es bien pour WrestleMania, quoi. Putain, oui. Alors c'est une très très belle réponse. En tout cas, Rabi, je suis désolé Sturie, mais la réponse de Rabi a été fulgurante. Mais il a plus l'habitude que moi. Sting like a bee. Et en même temps, c'est un badass, hein. Le mec, il est là tous les jours parce que Bordeaux, c'est une ville du gâteau, mon gars. On doit se battre tous les putains de jours. Moi, quand je vais travailler à Lormont, mon frère, ma gueule. c'est chaud pour ma gueule ou quoi, tu sais. Tranquille bien ou quoi. Merci à tous d'avoir écouté la fabuleuse histoire du catch américain. Vous aurez plus de détails sur certains points de l'émission. Dans l'émission d'il y a 3 semaines, c'était sur Chris Benoit. Vous pouvez écouter ce qu'on disait avec l'arrivée des Radicaux, c'était début 2000. Et vous aurez plus de détails sur l'Undertaker en 2000 lors de l'émission qui se déroulera dans 15 jours. Je rappelle qu'à partir de l'émission prochaine, dans 15 jours, vous nous suivrez sur la chaîne YouTube. C'est ça le catch. La chaîne Mixcloud ne changera pas, sera toujours... c'est mixcloud.com/lorberfeuillant. Et toutes les vieilles émissions de la fabuleuse histoire du catch américain vont revenir sur C'est ça le catch. Eh bien très bien, merci beaucoup Asturie. En tout cas, Rabi, tu voulais dire quelque chose? Oui, on ne parlera pas beaucoup de l'Undertaker en 2000, je pense. Hein. Non, on évoquera, on est obligé d'évoquer le oui, sujet. Oui, on évoquera, c'était nul. Voilà, c'est ça, voilà, très bien. Ouais. Merci à Ludivine d'avoir assisté à l'émission. Merci ma chérie Oksana, en tout cas. De rien, merci de m'avoir convié à assister à toute cette machinerie. Comment va le Cravache Club? T'as recruté personne, d'ailleurs. Mais je recrute personne, moi. Le Cravache Club s'est formé comme ça. Est-ce que Marc Blondin veut aller dans le Cravache Club? Marc Blondin est le membre fondateur du Cravache Club, d'ailleurs. Oh, Marc Blondin. Ah, c'est exclu. It was me, Story. It was me all along. D'ailleurs, Marc Blondin utilise la blondinette, la cravachette, comme on l'appelle dans le milieu, sur Michel Le Tourneur, un peu tous les soirs pour changer de chaîne. Oh, très bon. Merci à Céline d'avoir assisté à l'émission Recrache ton vin. Merci beaucoup. Comment ça va, Céline, depuis tout à l'heure? J'en ai pas dans la bouche déjà et c'était super bien. Merci, mais merci beaucoup à Céline. Sturi, mon chéri, merci beaucoup. Merci à Bordeaux, merci à la fabuleuse histoire du catch américain. Bienvenue sur C'est ça le catch et moi je retourne à Bordeaux chasser les Pokémon. D'accord, très bien, merci beaucoup Story d'être venu. C'est avec toi que j'ai commencé le catch en France en tout cas, et Ludivine, plus d'ailleurs avec elle, parce que c'est son projet une catch, finalement, c'est pas le tien. Merci. Merci beaucoup, le vrai pilier de la... On va reparler la pognon là. Le vrai pilier de la révolution, c'est ta gonzesse. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir suivi la fabuleuse histoire du catch américain sur l'année 2000. Je suis Norbert Feuillant, on se retrouve dans 15 jours sur C'est ça le catch. Au revoir à Rabi. Pour une émission sur Undertaker. Et putain, mais si, c'est un gimmick. Merci Rabi pour l'émission. Je le dis à chaque fois à la fin. Je me suis pas dire un petit mot aux auditeurs, moi aussi. Dis un mot aux auditeurs, mon rabbin. Télé. Merci infiniment. On se retrouve tous dans 15 jours pour une émission sur l'Undertaker. D'ici là, soyez mignons, mettez des capotes et roulez pas à contresens sur la rocade. Si, déjà, roulez à contresens sur la rocade. Et puis, comme qui dirait, adios. C'est ça le catch.